premium du Paris Saint-Germain. Hall.com qui a organisé une belle journée pour les supporters et les fans du Paris Saint-Germain et les membres de leur programme de fidélité, Hall.com. J'ai l'honneur d'être en plateau avec Michel Collard, historien du Paris Saint-Germain. Bonjour Michel. Bonjour Joachim, bonjour à tous. Donc on l'a dit, Hall.com pour ce Dream Tournament, 160 joueurs réunis ici au Parc des Princes depuis 8h ce matin. Vous vous en voyez quelques-uns derrière nous, les matchs qui ont débuté de cette phase finale. Un mélange d'influenceurs, de légendes du club, une quinzaine de légendes du club ont fait le déplacement pour venir renforcer les équipes présentes sur ce tournoi. Des membres de la presse, du programme de fidélité Hall, bien sûr. Donc une très belle journée pour eux. En plus, si vous nous rejoignez en direct sur Twitch, sur YouTube, nous aurons un offert aujourd'hui par notre partenaire premium Hall.com, à savoir, Michel, un week-end pour deux personnes dans l'hôtel de votre choix. Alors, c'est pas uniquement en France, c'est partout dans le monde et quel que soit l'hôtel du groupe Accor. Donc voilà, un beau cadeau pour vous, on vous en parlera un peu plus dans quelques minutes. Mais l'occasion de ta présence, Michel, pour revenir sur la présence de ces légendes cet après-midi et depuis ce matin au Parc des Princes, avec des noms tous aussi prestigieux les uns que les autres. On accueillera dans quelques minutes Bernard Lama et leur boulot, mais si tu veux nous dire un petit mot aussi des légendes présentes cet après-midi et ce matin au Parc. Il y a beaucoup d'émotions de retrouver nos anciens joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. C'est vrai que pour les plus anciens, on pense à Bernard Lama au Parc, Jérôme Alonso et ses pénaltys arrêtés. Donc voilà, Amara Simba et ses bicyclettes. C'est vraiment une très belle journée, un très bel événement. Et je pense que pour tous nos anciens et toutes nos gloires, nos légendes, il doit y avoir beaucoup d'émotions de se retrouver au Parc des Princes sur la pelouse vraiment où tous les supporters ont adoré les voir jouer. Et quand on voit ça, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions pour tout le monde. Bon, si tu avais la possibilité d'intégrer l'équipe d'une des légendes présentes cet après-midi et de jouer cette finale. Il y a quand même du très très beau monde. Je dirais Luis Fernandez. Luis, il a été notre capitaine quand on a été champion le premier titre. Il a été l'entraîneur quand on a gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Donc il représente beaucoup pour tous les supporters du club. Ah, il a toujours la pêche, Luis, je l'ai vu jouer. Donc c'est plutôt sympa. Mais vraiment, il y a du beau monde et c'est difficile de choisir, Joachim. Bon, c'est déjà pas mal, Luis Fernandez. Moi, j'aurais une petite préférence pour Guillaume Waro. En plus, je l'ai vu avant le début de ce live jouer sur le terrain qui est juste derrière nous. Et on peut vous dire qu'il a encore toutes les qualités pour faire des dribbles, des petits ponts, faire des passes décisives. On a vu tout ça tout à l'heure. C'était très beau à regarder. Et on espère qu'il va pouvoir progresser dans cette phase finale avec son équipe. On peut vous parler justement des matchs de cette phase finale qui ont débuté. Sur le terrain numéro 1, Sofitel contre Jojo. Sur le terrain numéro 2, des membres du programme de fidélité Hall, Tribe contre Ibistyle. Sur le terrain numéro 3, Mövenpick contre Pullman. Et sur le terrain numéro 4, Tribe, cette fois l'équipe média contre Ibistyle. Voilà, un beau programme hein, pour cette phase finale. Il y aura tout à l'heure, à partir de 17h, normalement, si on n'est pas trop en retard sur le planning, la remise des prix et puis des récompenses et des médailles pour les équipes gagnantes ici. Une belle après-midi qui nous attend, Michel. On peut revenir aussi, en attendant l'arrivée de nos invités, sur ce 11e titre. Parmi ces légendes, il y a des joueurs, tu l'as dit, Luis Fernandez, qui ont participé au gain de ce premier titre de champion de France. C'est aussi un bel hommage que d'avoir ces légendes-là cet après-midi. Oui, c'est un bel hommage. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est 11 titres de championnat, c'est aussi un record en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Coupe des Champions. Donc, on peut vraiment être très fier de notre palmarès du club. 30 titres quand même depuis 2011, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, regardez, il y a vraiment de la qualité, ça joue. Et puis vraiment, il y a toutes les générations. C'est ça qui est sympa de voir nos légendes. À des plus anciennes aux plus récents, hein. Comme tu l'as dit, il y a Guillaume Héros, Christophe Gallet, Clément Chantôme. Donc on sent vraiment la communauté. Le Paris Saint-Germain, c'est vraiment une famille. Et le fait que tous ces anciens soient là, c'est vraiment un vrai plaisir. Et tout le monde est vraiment très content. Je vous propose de conclure pendant quelques minutes une récapitulation de ces 11 titres de champion de France du Paris Saint-Germain. Et puis on se retrouve, nous, ici en direct du Parc des Princes pour ce Dream Tournament. Juste après.
petite technique pour vous montrer cette vidéo récap du 11e titre. Mais pas de problème, on vous le répète, aujourd'hui, les membres du programme de fidélité Hall sont invités. 160 joueurs présents aujourd'hui pour cet événement organisé par notre partenaire premium du Paris Saint-Germain. Des légendes, on l'a dit, on a parlé de Luis Fernandez, il y aura tout à l'heure Bernard Lama qui sera avec nous et Laure Boulot qu'on connaît bien aussi au Paris Saint-Germain. On la voit alors, elle est juste derrière toi. Ah bah parfait, elle est là. Ah bah parfait, je crois qu'elle vient à peine de finir son match. Donc on l'accueille avec grand plaisir, Laure Boulot. Hello. Bonjour Laure. Coucou les amis, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça te va bien la présentation, dis donc. Hein? Il est fort. Il maîtrise, on remplace. Il sait tout faire. On remplace. Ouais. Bon, comment ça s'est passé déjà depuis ce match? Bien, écoute, pour l'instant, on a fait que gagner, donc je touche du bois. J'espère que ça va pas changer après. Mais j'ai une bonne équipe. On est mixte parce qu'on a des garçons, des filles, on a des grands, des petits, des techniques, des défenseurs. On a un peu tout ce qu'il faut pour faire une bonne équipe. Donc pour l'instant ça va, mais j'ai eu un bon, j'ai eu de la chance au tirage, on va dire. J'ai une bonne équipe, je suis contente. Alors pour ceux qui ne connaissent pas par cœur le parcours de Laure Boulot, 13 ans au Paris Saint-Germain, ouais. En pro de 2005 à 2018, 6 fois vice-championne de France, finaliste en 2015 de la Ligue des Champions avec Paris. Deux fois, puis vainqueur de la Coupe de France en 2010 et en 2018. Deux fois, ouais. Donc un très beau parcours quand même. Et elle est toujours au Paris Saint-Germain. Elle est toujours avec nous au sein de l'équipe digitale. On la voit tout le temps, que ce soit avec Fabrice sur les live Twitch, que ce soit sur des événements aussi en direct du Parc des Princes pour les Match Center. C'est une indispensable de l'équipe du Paris Saint-Germain, même en dehors des terrains, même depuis qu'elle a arrêté. Mais dis donc, mais je vais rougir. Non, c'est Fabrice qui a demandé. Tinaise, Jojo. En fait, c'est que je vais dire, enlever tout le monde à la presse. Je veux Jojo, quoi. Jojo, il vient marquer 12 points d'un coup. Bon, merci. Laure, t'étais arrière-gauche de ton époque de joueuse professionnelle. Est-ce que t'as changé un peu de poste aujourd'hui? T'en as profité pour aller en attaque? On sait que souvent les défenseurs aiment bien. Mais... Justement, en fait, il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans ce genre de tournoi. Mais moi, j'aime bien défendre, ça ne me dérange pas. Et comme je suis un peu... Ce qui est cool aujourd'hui, c'est que je suis un peu leur coach. Et du coup, ils font genre, mais ils sont quand même assez contents. Et on vient... les gars, on vient de trouver notre gardien de but. Hein. C'est exceptionnel, colombien. Non. Sur les lobes, ça va être un peu facile. Tu vois comment ils me respectent pas? Ah, ouais, c'est pour ça. Donc, non, ça se passe bien. Et puis, ça m'oblige un petit peu à manager mon équipe, essayer de donner du temps de jeu à tout le monde. Mais en même temps, on veut gagner. Bon, j'ai pas changé là-dessus, ça c'est clair. Donc, c'est chouette comme expérience. Vraiment, c'est cool. Et je défends. Parce que du coup, je me dis que je vais essayer d'assurer au moins la défense et de les guider pour qu'eux se régalent devant. Je prends du plaisir à défendre, donc ça va. Combien de matchs jusqu'à présent disputés? Là, 4 victoires. 4 matchs, 4 victoires. Genre là, on vient de gagner, on a gagné 5-0 là. Ah ouais. J'ai fait un petit tour, vous êtes les favoris. Hein, voilà. Ah ouais, pour les autres adversaires, vous êtes l'équipe à battre. Alors on vient de commencer, mais on va dire ça au courage. Ah ouais, ouais. Là, les Bleus, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal aussi. La pression va être importante. Les Bleus, ah oui, alors cette équipe-là, je crois c'est l'équipe de Daniel Narcisse. Daniel Narcisse. Alors Daniel Narcisse, il a fait une courte carrière en préparation en Slovénie. Depuis, il est un peu passé sous les radars. Donc on verra s'il réapparaît au cours de ce tournoi. Des buts? T'as marqué des buts aujourd'hui? J'ai marqué un but et j'ai fait des passes décisives. Mais on est un joueur aussi. En fait, on a un peu... comment le qualifier? On a vraiment un dribbleur un peu fou, un mix entre... entre Neymar et Vinicius, tu vois, donc un soliste. Donc moi, maintenant, mon but, c'est de le faire jouer un peu plus avec les autres. Mais j'avoue qu'il nous sort quand même pas mal de situations compliquées. Souvent, c'est lui qui va marquer le premier but parce qu'il va faire une différence. Donc voilà. Mais ça m'oblige aussi à lui mettre des petits... Parce que si c'était que lui, il jouerait tout seul, quoi. Voilà. C'est le problème des joueurs qui sont bons dribbleurs, qui aiment bien garder la balle. Exactement. Ce que je ne suis pas, d'ailleurs. Et voilà, les Bleus viennent de marquer... Ah oui, effectivement. Amusant de voir Guillaume Moirot là qui... Ah, Guillaume Moirot qui a pas mal joué aussi, hein. Je l'ai vu tout à l'heure, il a encore de beaux restes. Au départ, il a commencé dans les buts, mais ils ont vu que quand ils le mettaient attaquant, ça marchait mieux. Pas mal, ils ont une idée. On va peut-être faire une carrière ce joueur. Hein. On va pouvoir accueillir Bernard Lama qui vient d'arriver. Donc peut-être que Michel, tu veux gentiment laisser ta place... Devant le capitaine... Devant Bernard Lama qui vient de nous rejoindre. Allez. Gardien ô combien historique du Paris Saint-Germain, à Paris entre 92 et 97, puis de 98
à 2000. Bernard Lama qui a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 96. Le championnat de France en 94, c'est un des détenteurs de ces 11 titres de champion de France gagnés par le Paris Saint-Germain. Puis la Coupe de France 93-95, la Coupe de la Ligue en 95. Le trophée des champions en 95, il y en a eu des choses gagnées en 95. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça nous fait très plaisir de pouvoir avoir des légendes du club, que ce soit toi ou Laure. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que ça s'est passé depuis ce matin, ce tournoi, ce Dream Tournament organisé par Hall? Je crois que ça ne se passe pas trop mal. On a globalement bien démarré, bon, même si on n'était pas forcément trop à l'heure. Mais je pense que les participants sont contents. Et ils participent bien, de ce que je vois des autres matchs aussi. Il y a une bonne ambiance. Il y a un bon esprit, ouais. Il y a un bon état d'esprit. Et puis, bon, voilà, ça se déroule plutôt bien, je trouve, quoi. Je trouve que c'est plutôt sympa. Après, comme je dis, il faut éviter les retards, quoi. Il y a des retards. Des retards sur les gestes, ouais. Ou des retards Non, mais on a commencé tard, quoi. Ah, oui. Donc, c'est plutôt ça. Mais sinon, sur la compétition même, c'est cool. C'est plutôt cool, quoi. Bon, Laure nous disait qu'elle avait un bilan de 4 matchs, 4 victoires. Est-ce que ton bilan est aussi bon que celui-là? Ah non, malheureusement non. C'est vrai? Bah, je ne suis pas sur le terrain. Ah, tu ne joues pas du tout? Tu n'es même pas dans les buts? Non, je ne peux pas jouer. C'est pour ça, sinon il y aurait eu. Il n'y aurait que des clean sheets. Cage inviolée. Moi je pense que les gens s'éclatent, ils sont contents d'être là et je pense que c'est ce qui est le plus important. Au-delà des résultats. Après, bon, on veut toujours gagner. Hein, mais... ouais, parce que Laure nous disait qu'elle, elle avait toujours cet esprit de compétition. Non, ouais, j'avoue, un peu mais c'est normal. Mais moi, je l'ai. Mais à l'extérieur, j'essaie de le communiquer. Mais c'est un peu compliqué. Excusez-moi de vous couper. La star est rentrée. On vient d'accueillir. On a la chance d'accueillir avec nous Trippi Makonda qui va pouvoir co-animer cette émission et ce live avec nous ici en direct depuis le Parc des Princes. Bonjour Trippi. Bonjour. Heureux de te recevoir et de t'avoir avec moi. Parce que Autant de légendes à gérer tout seul, ça commence à devenir compliqué. J'avais besoin d'un joueur d'expérience. On a Laure Boulot et Bernard Lamotte devant soi, ça peut qu'être plaisant. Merci mon Trippi. Laure, t'as bien joué Laure ? Écoute, pour l'instant, on a fait que des victoires. Tu touches du bois ? Ouais. Okay. Bon, on joue pas mal. Bon, mais... Bernard a pas pu jouer de ce qu'il nous disait. Ouais, sinon... Aucun but à rentrer, quoi. Bah, s'il avait pu jouer, oui, je pense qu'aucun but ne serait rentré. Malheureusement... Oh, on peut pas dire ça, les gars. on peut se permettre maintenant. On peut pas dire ça. Si, le facteur psychologique d'avoir Bernard Lama en face de soi sur tu un trembles, tir... Quoi. Ouais, tu trembles. Moi, j'aurais tremblé. Surtout avec le maillot multicolore. Bon, une belle opération, en tout cas. On vous le répète ici, on est en direct sur Twitch, sur YouTube, depuis le Parc des Princes pour ce Dream Tournament organisé par... J'ai quand même un petit reproche à faire à l'organisation, quand même. Vas-y, Bernard, c'est le moment. Et au public. Ah oui. C'est vrai, on a un stade plein. Bah ouais. Bernard, il a l'habitude de revenir au Parc des Princes quand le stade est plein, c'est-à-dire pour tous les matchs du championnat ou de Ligue des Champions. Moi, je pense que ça peut être sympa pour les participants d'avoir du public. Non, mais après, tu vas terminer plus tard. Les gens vont vouloir des autographes, ton maillot, etc. Nous passerons le message. C'est une journée. C'est la fête. Voilà quoi. On va y penser. Peut-être pu inviter des équipes de supporters. On va y penser pour les prochaines éditions. Je pense que ça pourrait mettre une bonne ambiance. On va la mettre dans la boîte à questions. Je pense. Bernard, on le disait tout à l'heure, tu fais partie des gagnants de ce titre de champion de France. On en a totalisé 11 tout à l'heure. Je vous propose qu'on revienne un peu sur l'histoire de ces 11 titres de championnat. Et puis on se retrouve juste après. Ah bah ça prend encore un peu de temps à envoyer cette vidéo du titre de champion. Déroule Jojo. Ah mais en régie à côté de nous, ils sont un peu distraits, j'ai l'impression.
Voilà les 11 titres du Paris Saint-Germain que vous avez pu tous revoir. C'est 11 titres de champion de France. Et on en a profité pour renouveler notre casting de légende avec la présence d'Amara Simba. Bonjour Amara. Bonjour. Ah, bonjour. La légende. La légende. Il a des étoiles dans les yeux, Trippi. Et Arsène, bonjour Arsène, que vous avez, que vous avez l'habitude de voir aussi sur pas mal d'émissions du Paris Saint-Germain. Alors Arsène, rouspété parce qu'il ne voyait pas sa place dans les légendes, mais je disais que pour être une légende, il faut avoir quitté le club. Donc, comme tu es toujours au club, tu ne peux pas être une légende. Donc tu peux attendre encore 20 ans. Ma légende, Arsène. Est-ce que Nadia a quitté le club? Est-ce que Laure Boulot a quitté le club? Elle a quitté le monde professionnel. Elle a quitté le monde professionnel. Ok, ok. Donc voilà. Alors, ça fait plaisir d'être un invité pour une fois. C'est plus détente. Exactement. Bon, messieurs, vous êtes là dans le cadre de ce Dream Tournament organisé par Hall. Comment ça s'est passé déjà pour vous? Est-ce que vous êtes dans la même équipe? Jouez le même maillot? Oui, on est inséparables. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Premier match, on était vraiment au-dessus. On s'est enflammé un peu. Deuxième match. 5-0, je crois, premier match. Oui, 5-0. Un peu trop de confiance. Voilà. Et deuxième match, on a joué contre l'équipe de l'Or. Mais bon, là, la grosse équipe. Ah oui. On s'est battu, on a tenu. On a mis à gauche. Là, il a marqué le but le plus rapide. Ça veut dire, voilà, engagement. Frappe direct, but. Mais après, derrière, il nous manquait Trippi en défense. Exact. Trippi n'était pas disponible. Il était requis ici sur le plateau du live. Donc on a, j'aurais bien aimé. Voilà, on a une victoire et deux défaites. Et là, on vient de gagner notre deuxième match. D'accord, donc ça fait un bilan équilibré pour l'instant. Oui, on finira pas dernier déjà. C'est pas ce qu'on visait. Non. Mais on va se consoler avec ça. Ouais. C'est pas mal. Début, Tamara. Ah oui. Incroyable. Ah il faut quand même rappeler. Devant. Il est trop fort, c'est une machine. Hein. Il faut quand même rappeler, Amara, que tu as été élu 3 fois plus beau but du championnat. Ici, là, au Parc des Princes. Voilà, donc en matière de beaux buteurs et de beaux buts, on a quelqu'un sur le plateau qui pèse un certain nombre de titres. Donc, ces 3 titres de buteur. Ouais, j'ai gagné le trophée top but 3 années de suite. Et tu... Donc, 3 bicyclettes, 2 bicyclettes ici. Et une bicyclette à Cannes contre Paris. J'adorais ce moment. On coupera ça au montage. Non, on coupe pas, ça fait partie de la maison. Bon, du coup, t'as pas renouvelé l'opération, pas de bicyclette là. Non, là on en joue. Réserve. Là, en non. Pour la finale. Et on a atteint un niveau d'âge là, donc on va rester calme. Non, mais à chaque fois, quand je suis en galère derrière, je lui envoie le ballon, mais n'importe où. Hein. Il arrive à faire un contrôle orienté, à se mettre dans une bonne situation, même si je lui envoie un ballon, mais vraiment compliqué à prendre. Il arrive à trouver une solution, je sais pas comment, c'est incroyable. C'est normal, on est au Parc des Princes. C'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Ça c'est beau. Voilà. J'avais pas fait attention, mais voilà, c'est vrai que ça s'oublie pas. Et quand on a cette technicité, on est apte à le refaire. Arsène, si tu avais des petites choses à modifier sur ton équipe, on sait que toi tu es un joueur de FIFA, donc sur FIFA il faut être tactique. C'est un joueur de five aussi. Un joueur de five aussi. Non mais attends, je le coupe et il n'a qu'à vous dire comment il a préparé ce match d'abord. Allons-y, dans les coulisses. Je suis assez fatigué. 3 heures de sommeil en 48 heures, voilà, vu que j'ai mon avion qui a atterri à 8 heures ce matin, décalé de 9 heures. Ah oui. Je passais plus de 10 heures à l'aéroport. Et la nuit d'avant, j'avais dormi que 3 heures pour jouer un match. Donc, ça va, c'est une belle vie ça. Ah oui. C'est une belle vie, mais fatigué. Ouais. Ça s'est pas ressenti du tout. Non, ça pour son camarade, il a préparé plus sereinement son match. Non, moi c'est une motivation. En plus, on est là pour le plaisir. Et sur un billard comme ça, là, il faut le signaler. Mais là, le changement dans l'équipe, pas vraiment. On avait une équipe soudée, mais on a manqué un peu de réalisme. Exact. Un peu d'organisation, peut-être une assise défensive, on a manqué. Un petit Thiago Silva avec moi derrière. Voilà. Trippi. Je suis pas habillé pour l'occasion. Trippi, son contrat est prêt pour la finale. Il attend. Il attend qu'une équipe le contacte pour la finale et il chausse les crampons et les maillots. Je vous propose qu'on fasse une toute petite pause. En attendant, on peut revoir ensemble ce qui s'était passé l'année dernière, cet événement organisé par Hall. Encore une fois, ce Play with Legends qui avait lieu un peu partout aux 4 coins du globe. Je vous propose qu'on revoie ça tous ensemble et on se retrouve juste après.
organisé par Hall, notre partenaire premium du Paris Saint-Germain. C'était l'année dernière, vous l'avez vu, quelques belles légendes, notamment Mario Yepes ou Ludovic Juli. On y était d'ailleurs l'année dernière à Bercy, à l'Ibis Style de Bercy pour cet événement. C'est une très belle opération avec beaucoup de moments d'échange et de partage après. On en profite, on accueille Nadia Ben Mokhtar. Bonjour Nadia. Bonjour, ça va ? Oui, ça va très bien, et toi ? Très bien, merci. Ça pourrait aller mieux, j'ai perdu 4 matchs sur 4. Ah, mais alors, on peut pas toujours gagner. On s'amuse bien quand même. Je laisse le sportif redonner du moral. Parce que lui, il est plus doué que ça pour moi. Moi, j'ai beaucoup perdu dans ma carrière. Non, l'important, c'est d'y participer, surtout quand on prend du plaisir dans un événement pareil au Parc des Princes. La pelouse est un billard. Donc forcément, on peut que prendre du plaisir avec tout le monde qui a. On a déjà Ben Mokhtar. Tu es toujours au club, Nadia, on le sait. Tu es responsable du développement de la marque à l'international, notamment du e-sport, mais aussi de l'académie. Il y avait d'ailleurs, je crois, la semaine passée, ici, un beau tournoi organisé, l'Academy Cup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Comment ça s'est passé ? Oui, exactement. C'est notre grand tournoi annuel où on fait venir ici à Paris, au Parc des Princes, des équipes en provenance de toutes les académies qu'on a à travers le monde. Donc c'est à la fois un beau moment sportif, mais aussi un moment d'échange culturel. C'est toujours hyper émouvant de voir des enfants brésiliens jouer contre des Coréens, des Turcs chanter avec des Américains. Donc c'était un beau moment. On a eu une super météo et un stade magnifique, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc c'était une belle compétition. Bon, tu l'as dit, aujourd'hui, les résultats sont pas forcément pour toi à la hauteur de tes espérances. Comment ça s'est passé ? On a une équipe, on va dire... pas très homogène en termes de niveau, mais on le savait. Les premiers matchs ont été compliqués parce qu'il y avait une vraie différence de niveau. Et là, le dernier, dans la consolante, c'était un peu plus équilibré. On gagnait 3-0, on a perdu 4-3. Ah oui, d'accord. Grosse remontada, elle est un peu difficile à avaler. Mais il nous reste un match pour au moins se consoler un peu et surtout pas être dernier. Moi, je ne veux pas être dernier. Ah ouais, tous les sportifs qui sont passés là, toutes les légendes qui sont passées là nous l'ont dit. Quand même important de ne pas finir dernier. Ah bah oui. Finir sur une bonne note, puis toujours l'esprit de compétition, même si ça reste un tournoi amical. Exactement. On a quand même envie de finir sur une bonne note. Nadia, comment est-ce que ça se passe sur le terrain avec les autres ? Alors toi, je ne sais pas si tu es avec des membres du programme Fidélité ou si tu évolues avec des influenceurs dans ton équipe. Moi, je suis avec des gens des médias, mais finalement, c'est assez mélangé. On s'entend bien. Ouais. Comme je l'ai dit, il y a des différences de niveau, mais on essaye de respecter un peu les temps de jeu et faire jouer tout le monde. On ne s'énerve pas. Après, vu qu'on gagnait pas, on n'est pas trop rentré dans l'ultra-compétition. Mais on s'amuse bien. On arrive quand même à faire des bonnes phases de jeu. Le terrain est agréable. On a quelques bons joueurs, donc on s'amuse, c'est top. Surtout, on passe un bon moment. On a très bien mangé, l'organisation est parfaite. Donc tout le monde réalise la chance qu'on a d'être ici, de passer un bon moment ici au parc. Tout le monde le vit comme un privilège et même si les résultats ne sont pas là, finalement, c'est pas l'essentiel. Ah, vous avez eu un beau programme en plus, je crois, pour toute la journée. Ça a débuté aux alentours de 8h, même si je crois que ça a pris un peu de retard à l'allumage. Mais tu l'as dit, il y a eu un déjeuner qui a été organisé juste côté Boulogne. Apparemment, avec une belle vue. Apparemment, c'était super bon. C'était très bon. Et puis, il y a une petite démonstration de la All Champions Family qui a eu lieu côté Auteuil, de l'autre côté là-bas, avec du Cécy Foot. Et je crois qu'il y avait Nicolas Karabatic qui était là aussi pour représenter cette All Champions Family. Et puis, depuis à peu près une demi-heure, je crois maintenant, finale avec, comme tu l'as dit, les matchs de consolante. Et puis le reste, c'est un beau programme, hein, Trippi. Ouais, c'est un beau programme, mais pour un petit peu apporter pas mal de nuances par rapport à ce que Nadia a dit, c'est compliqué quand même d'avoir une équipe, on connaît pas trop les joueurs, donc d'apporter un aspect collectif, c'est vrai que c'est pas facile, mais comme elle a si bien dit, tant qu'on apporte de la joie, quand on a aussi du plaisir, c'est aussi l'importance de cet événement. Ouais, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que tu seras, alors je sais pas si tu seras encore présent la semaine prochaine, mais il me semble que l'Académie a encore un autre événement ici la semaine prochaine. Si c'est pas ici, je crois qu'il y a un autre événement de l'Académie organisé la semaine prochaine. Oui, c'est un événement qui est un peu plus élite, on va dire. C'est un camp de sélection. Donc là, on demande à chaque pays d'envoyer ses deux meilleurs joueurs dans une catégorie. Donc quand on sait qu'on a 37 000 joueurs à travers le monde, quand on n'en prend que deux par pays, ça fait un bon niveau. Et là, c'est un stage vraiment élite, deux entraînements par jour et des sensibilisations à la nutrition, à l'hygiène de vie. Vraiment, c'est une semaine dans les chaussures d'un joueur professionnel. Ça va se dérouler où, dans un terrain proche ? Au centre de formation. Ah, d'accord. Les joueurs dormiront dans les chambres des jeunes du centre. Et c'est vraiment une expérience immersive. Et c'est quoi les critères d'observation pour les deux ?
Nous, vu qu'on a des coachs et des directeurs dans chaque pays, on va dire qu'on leur fait confiance sur la sélection, mais c'est à la fois le niveau de jeu, mais aussi on appelle ça les joueurs les plus méritants. Donc ceux qui se comportent bien à l'entraînement, qui viennent régulièrement, qui sont fidèles à l'académie, ça fait aussi partie des critères, on va dire, à la fois niveau de jeu et aussi comportement pour mériter sa place. Donc il n'y a pas que le sportif, c'est vraiment aussi l'éducation, le comportement qui privilégie. Exactement, okay. C'est vraiment... On le sait, dans nos académies, tous les joueurs ne seront pas forcément professionnels. Ouais. Donc ce qu'on essaye, c'est aussi d'éduquer. D'éduquer tant sur l'aspect sportif que sur l'aspect extra-sportif. Et c'est vrai que ce sont des critères qui rentrent en compte parce qu'on sait que ces joueurs-là, qu'ils deviennent professionnels ou pas, on veut vraiment qu'ils apprennent quelque chose en passant par nos académies. Ouais. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant aussi avec ce type d'événement. C'est très bien ça. C'est un super développement qu'a connu l'académie et le e-sport aussi. Je crois que tu es au club depuis 2017, toi. Tu as pu assister aussi à cette croissance exponentielle qu'ont connu ces secteurs-là. Ouais, ça a évolué en nombre parce qu'on a ouvert de nouveaux pays. Ça a aussi évolué en niveau de jeu parce que c'est vrai qu'avec le temps, avec des coachs qui développent des nouvelles expertises, avec le lien fort qu'on crée avec eux et la transmission de la méthode d'entraînement PSG année après année, on voit vraiment que des académies qui au départ étaient très grassroots, on va dire, avec des joueurs débutants, aujourd'hui commencent à être bons dans les championnats nationaux, gagner des championnats nationaux, sortir des joueurs qui vont après nourrir les sélections locales ou les clubs pro locaux. Et déjà, quand on a des joueurs qui arrivent à éclore et à vivre de leur passion, que ce soit au PSG ou ailleurs, on considère qu'on a réussi notre mission. Combien d'entraîneurs ? Il y a beaucoup de monde qui travaille autour de l'académie ? Ouais, on a 203 académies aujourd'hui dans le monde, dans 21 pays. Ah oui. 37 000 joueurs et entre 600 et 700 coachs. On a du mal à les dénombrer. Ouais. Mais c'est une grande famille. Justement, il s'est infiltré à côté de toi tout doucement. On a le plaisir d'accueillir Daniel Narcisse. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Daniel, il a eu vraiment un match dans sa carrière de footballeur qui a été brillant. Il a marqué 3 buts. Je suis très heureux que tu en parles. J'ai été incroyable dans toute ma carrière. Et le seul truc qu'on retient de l'histoire de Daniel Narcisse au foot, c'est ça. Et franchement, je suis très fier. 3 buts, 3 lucarnes. Magnifique. Et Joachim dans les cages qui a payé un peu tout ça. C'était un grand moment pour moi. Mais le lien avec l'académie est tout trouvé parce que du coup, c'était une place qui se libère pour apprendre à jouer au football à Daniel de manière un peu plus durable. On a des académies handball aussi. Voilà. Mais en France, c'est au Qatar. Il faudrait une académie senior si tu peux trouver ça pour Daniel. Parce que je suis pas sûr que 2 entraînements par jour, il puisse endurer ça aujourd'hui. Non, c'est derrière moi tout ça. Je fais que les matchs maintenant, comme aujourd'hui. Bon, alors du coup, Daniel, on est content de t'accueillir avec nous. Comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui pour toi depuis cette matinée ? Pour moi, bon, c'est pas très important, mais pour l'équipe, ça s'est super bien passé. Je crois qu'il y a une très bonne ambiance, une bonne cohésion de groupe qu'on a l'habitude de dire, et avec ce qui est assez surprenant, des joueurs qui ne se connaissaient pas, des garçons qui ne se connaissaient pas du tout. Et au final, on a réussi petit à petit à faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et que voilà, on essaye de prendre du plaisir avant tout. Et puis évidemment avec notre état d'esprit un peu de compétiteur, on essaye d'aller le plus loin possible et je crois qu'on n'est pas trop mal là jusqu'à présent. On a perdu contre eux. Contre Daniel. Ah bah. Il y en a beaucoup qui ont perdu contre Daniel. On a gagné contre personne. Compliqué à le contourner aussi. Ah, il est grand. Il a tout joué. Hein. Il a joué pivot, ailier, son vrai poste. Normalement c'est demi-centre, mais il peut jouer partout. Ouais, non mais j'avoue, après quand je vois que les petits devant moi ils vont trop vite, j'essaye de mettre un peu les bras et bon, ça me permet de gagner un peu de temps. Le handball qui revient. Daniel Narcisse, bien sûr, handballeur. Aujourd'hui, Business Development Project Manager au Paris Saint-Germain. Un long titre, mais qui ne résume pas tout ce qu'il peut faire dans le club aux côtés de Thierry Omeyer. Il a passé de 2013 à 2018 au club. Il a gagné tous les titres possibles en club avec Paris, mis à part la Ligue des Champions. On n'est pas passé loin une année, mais mis à part ça, le quasi sans faute. Et puis on l'a dit, c'est fait de jeu sur un terrain de foot, triple buteur face à l'équipe des jeunes. Alors, pour avoir été dans cette équipe, il y avait un peu trop de laisser-aller. Voilà, moi, je tiens à le dire. La différence entre l'expérience et la jeunesse. Exactement, ça fait la différence. Ça fait la différence. Du coup, le programme après pour ton équipe, Daniel, c'est quoi ? C'est la demi-finale ? Je pense que là, on vient de jouer les quarts de finale. On a encore les demi-finales à jouer. Je crois que l'équipe, encore une fois, elle prend beaucoup de plaisir à jouer. Et plus tu avances dans une compétition, plus tu as envie de gagner tout simplement. Je crois que les gars, ils prennent goût à la victoire.
Donc on va voir comment ça va se passer. Après, malheureusement, on a une petite blessure de notre côté. Il y a un joueur plutôt intéressant et qui a beaucoup donné jusqu'à présent. Donc si tu as besoin d'un joker, peut-être que je me remette sur le terrain. Médical, on le prend. Il est toujours trippy. Hein. Non, moi ça va. Moi je suis bien là où gaucher. Je suis. Moi je suis gaucher, moi. Gaucher, très bien. Ça donc voilà, on continue à avancer tout doucement, sans trop faire de bruit. Bon, parfait. Alors, on en a parlé en début d'émission. Hall, partenaire premium du Paris Saint-Germain, hall.com, offre aujourd'hui aux personnes qui nous suivent en direct sur Twitch et sur YouTube la possibilité de gagner un week-end pour deux personnes dans l'hôtel de leur choix du groupe Accor. Donc, les possibilités sont vastes et partout dans le monde. Donc, peut-être Daniel Narcisse, La Réunion, mais il a l'habitude d'y aller, donc peut-être qu'il targetera une autre destination. Nadia, si tu veux participer aussi, mais il y a quand même plus de chances que ce soit quelqu'un sur Twitch ou sur YouTube qui finisse par gagner. Donc la question est très simple. Il faut nous dire depuis quand le partenariat entre hall.com et le Paris Saint-Germain a démarré. Question assez facile, vous devriez trouver la réponse assez facilement. Vous pouvez dès maintenant nous donner vos réponses en commentaire sur le live Twitch et sur YouTube. On tirera à la fin de l'émission une personne au choix. Bien sûr, n'hésitez pas, on reviendra bien sûr sur cette question tout au long de l'émission. Bon, un beau programme en tout cas qui vous attend, Nadia. La consolante a été perdue, mais du coup j'imagine qu'il y a un dernier match. Un dernier match là qui va commencer dans quelques secondes. Bon, on va te libérer et alors. Et après apparemment une petite soirée avec la troisième un peu de mi-temps. Musique. Ouais, troisième mi-temps gentiment offerte par accord. Ouais, il y aura je pense qu'on sera meilleur sur la troisième mi-temps que sur les six matchs. Alors à Dijon, il y a des équipes aussi, il faut faire attention. Sur les cocktails, et oui, sur les soirées, oui, forcément. Il y a des gens qui sont venus là que pour ça. Ils font exprès d'aller vite dans les matchs pour arriver le plus vite possible au cocktail. 18h normalement, mais avec le petit retard que ça a pris, ça peut être un peu décalé. 18h, cocktail party by M Gallery. Et puis à 19h30, il y a un concert de Quentin Mosiman offert par Ibis Music. Ouais, très très beau programme. Nadia, on va pas te retenir plus longtemps. On te laisse rentrer dans ton match. On sait que c'est important. Ça y est, c'est le coup d'envoi. En tout cas, bon merci match. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à toi aussi. Bon courage, sois forte. Daniel, comment est-ce que t'as abordé ce tournoi? T'es un ancien sportif de haut niveau. T'es toujours sportif, mais t'es un ancien sportif de haut niveau. Est-ce qu'on a toujours envie de gagner? Ou est-ce que là, on se dit, voilà, c'est un tournoi amical, je veux pas me blesser? Oui, non, mais avant tout, je crois qu'il faut rester en bonne santé, parce que le plus important dans un tournoi comme ça, ça reste un tournoi amical. Bien sûr. Évidemment, il faut que le fair play et que les joueurs ressortent d'ici en passant une bonne journée, en ayant pris du plaisir, en ayant joué, tout simplement, partagé le ballon entre toutes les différentes équipes. Mais après, évidemment, quand on est compétiteur, on a toujours envie de gagner, ça reste en nous, et j'essaie de l'inculquer un petit peu aux gars. Pour leur dire qu'on peut prendre du plaisir, on peut jouer avec le sourire, mais tout en ayant envie de gagner. Je crois qu'il faut que c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours. Et aujourd'hui, c'était le moment parfait pour prendre du plaisir, se faire des passes, essayer de marquer le plus possible et en étant compétiteur jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, tu l'as dit, ça reste un tournoi amical, mais je sais qu'il y a des échéances importantes pour le club à la fin de cette semaine. Donc là, on passera en mode vraiment compétition avec ce Final Four de la Ligue des Champions à Cologne. Paris qui affrontera Kielce le samedi lors de la deuxième demi-finale. Ça promet une belle demi-finale déjà, de toute façon, sur un Final Four, il n'y a que des grosses équipes. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de cet événement qu'attend les handballeurs de la capitale? C'est clair que c'est une semaine ultra importante pour le Paris Saint-Germain handball. On travaille toute l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits, beaucoup d'heures d'entraînement qui sont mises en place tout le long de l'année pour ne serait-ce essayer de se qualifier pour le Final Four. On sait tous que c'est un parcours du combattant, c'est très difficile d'aller et chercher encore une fois un Final Four. L'équipe a réussi une saison incroyable avec en parallèle le titre de champion de France qu'on a pu fêter avec nos spectateurs Coubertin il y a peu de temps. Et aujourd'hui, voilà, ça fait un peu plus d'une deux semaines depuis le dernier match à Coubertin face à Nantes où les joueurs se sont focalisés complètement sur cette échéance. Évidemment, les joueurs attendent ça avec impatience. On travaille tout le long de l'année encore une fois pour vivre ces moments-là. On sait ce que ça peut être un Final Four avec la pression, avec le stress, avec
toutes les difficultés qu'il peut avoir. Et notamment, la plus grosse difficulté, c'est l'équipe qu'on aura en face de nous. C'est l'équipe qu'on aura en face de nous avec qui le sait, que tu connais, reste encore une fois des équipes qui ont l'habitude de jouer ces moments-là. Et ils l'ont déjà gagné. Et donc, l'expérience sera bien présente, évidemment, de leur côté. Mais aujourd'hui, on a une équipe où on a montré énormément de qualité. On a monté en puissance tout le long de la saison. Et aujourd'hui, on a envie de pousser cette équipe de Kielce dans leur entrenchement pour aller chercher une énième finale. Bon, je crois que le plateau serait presque complet en joueurs issus de l'île de la Réunion. Vas-y. Daniel, de manière individuelle, comment toi t'arrives à préparer ce genre d'événement, de situation ? Parce que là, on parle de termes collectifs, on est beaucoup plus centré quand on arrive presque à l'échéance. Comment toi, de manière individuelle, quel rituel t'avais quand tu sentais que t'arrivais dans le final four ? L'équipe qui a besoin de... Ah, ils ont besoin de son capitaine. Voilà, exactement. Mais non, je crois qu'après, ça appartient un petit peu à tout le monde, la façon dont il va aborder et se préparer pour des matchs avec autant de pression, tout simplement. Moi, j'avais pas forcément de... Je sais pas si c'est un bon exemple, mais moi, j'ai pas forcément de rituel. Quand j'étais joueur, j'étais pas superstitieux, j'avais pas forcément de routine. Ce qui est sûr, c'est que les entraînements de la semaine, évidemment, je mets toute la détermination, la concentration pour essayer de me préparer du mieux possible physiquement et tactiquement sur le terrain. J'essaye de regarder pas mal de vidéos de l'équipe adverse pour tout simplement ne pas se faire surprendre, en tout cas contre ces équipes-là. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais aussi demi-centre, donc il fallait pouvoir, avec le coach, échanger et discuter sur les encanchements tactiques qu'on pouvait mettre en place. Et après, le plus important, c'est essayer de faire en sorte que l'équipe arrive dans les meilleures conditions psychologiques avant de jouer ce match-là. Parce que malheureusement, c'est un match couperé, donc sur un seul match, tu sais que tu peux tout perdre. Donc voilà, échanger, discuter individuellement avec les joueurs ou en groupe pour faire en sorte qu'on soit bon et qu'on soit bon dans le money time. Bon, un des sports, le handball important à La Réunion, Guillaume Moirot qui vient de nous rejoindre. Bonjour Guillaume. Bonjour Trippi. Ça va, fait longtemps, ça va ? Comment ça va, grand frère ? Ça va, tu viens plus aux soirées toi, dis donc. Ah écoute, j'ai arrêté ça moi, c'est bon, je me suis rangé. Moi, bon, il manque plus que Laurent Robert et je crois qu'on a toutes les légendes issues de La Réunion autour de cette table. Guillaume, comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à présent pour toi ? Je t'ai vu tout à l'heure, moins bien que Daniel parce que j'ai l'impression qu'on a le même maillot mais pas la même passion. Je suis et pas lui, donc... on sait qui est le plus réunionné ici. C'est toi qui l'a dit. C'est important de se gagner, je crois qu'on l'a fait. Donc après, voilà, Daniel, il est de faire ce qu'on peut pour aider l'équipe. Mais... Non, mais j'ai vu, hein, Guillaume, tout à l'heure, il a fait feinte, il a fait crochet, petit pont, après passe décisive en éliminant le gardien. Il y a eu un but derrière. Il y a encore de très beaux restes quand même. Bah, Guillaume, il est chez lui. Oh, après, il a pas arrêté il y a longtemps. Oh, tu connais bien le terrain. Il a quand même pas arrêté il y a pas si longtemps. Je sais, que ça. Mais il aurait pu se relâcher. Non, mais c'est bien. Il faut le dire. Non, c'était vraiment cool. Bel après-midi. On s'est bien défoulé. Et je me suis pris au jeu. Les gars, ils étaient déterminés. Donc, c'est cool. Le temps d'un instant, il y a la compétition qui prend le dessus. Donc, c'est toujours bien de partager ce moment-là avec ces personnes-là qui viennent rêver éveillé hein, de profiter du Parc des Princes comme ça. Donc, nous, on est contents aussi de leur rendre ça. Il y avait ce matin, on a vu des images tout à l'heure circuler sur les écrans géants. Il y avait un moment où vous êtes arrivés, on vous a accueillis un par un, je crois. Et puis après, vous avez eu un petit moment d'échange avec les gens. Tu sentais vraiment qu'ils étaient tous contents de vous voir ? Ouais, bah, je pense qu'on est tous fans du PSG ici, donc c'est toujours bien de... Quand on arrête la carrière, il y a un peu de lumière qui s'éteint, donc les gens te rappellent certains souvenirs et du coup, ça réveille tout ça. Et non, c'est vraiment une très belle initiative. En tout cas, merci encore au PSG de m'avoir invité. À Hall aussi, notre partenaire premium qui a invité toutes ces légendes. On va libérer le grand footballeur. Ah oui, il y a un débriefing là, il y a un briefing à avoir là. Il y a un remplaçant de choix qui va prendre sa place. Et on va accueillir dans quelques secondes. Alors, chers abonnés de Twitch, comment tu dis ? Twitch. C'est l'instant blind test. Nous recevons Christophe Jallet qui est indétrônable au blind test. Oui, c'est vrai. Alors, la chanson ? Adèle. Pas du tout. Ah merde. Ouais. Je sais pas. Ah, ça, là-haut ? Ouais, ouais. One Day, c'est. Ah oui, c'est vrai. Allez. Asaf Avidan. Et ben voilà. Il a Asaf Avidan. Vamos. Merci, bonsoir. Ramon Trippi. Comment ça va, mon Christophe ? Super, impeccable. Bon Christophe, Guillaume nous disait que ça s'était plutôt bien passé pour lui aussi sur ce tournoi.
Ah, alors ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Donc toi, est-ce que ça s'est un peu mieux passé ? Très bien passé. Nous sommes en finale avec le cœur et beaucoup d'envie. Voilà. Moins de talent que les autres, mais beaucoup d'envie et un état d'esprit irréprochable. Un petit résumé des matchs que tu as disputés, 4 ou 5, je ne sais plus où vous en êtes. 4 matchs, on a fait un premier match nul, un partout, puis 2 victoires 3-1, et là on a gagné au pénalty en demi-finale, après un superbe et exceptionnel 0-0. Oh. Et début pour Christophe ? Ouais, 1. Bon, on tire pas trop quand même, c'est pas notre. On essaie de faire marquer les autres. Je sais souvent quand on a été défenseur, Trippi, j'imagine quand on joue sur des tournois comme ça, on est invité. On aime ça régaler un petit peu. Moi je me mets attaquant, donc je suis pas défenseur quand je suis dans ces. Parce que moi j'ai vu Guillaume tout à l'heure, il aurait eu la possibilité de marquer, mais tu vois, en buteur, il a préféré faire la passe. Je suis le deuxième meilleur gardien du tournoi. Ah, en plus Des parades que vous pouvez retrouver sur les. Derrière mon gardien d'ailleurs, qui est le numéro 1. Voilà. Ouais, des beaux moments tous les deux que vous avez vécu. Guillaume, champion de France en 2013 avec le club. Cette année, c'est le 11e titre qui a été gagné par l'équipe. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait partie de cette histoire, d'être un des joueurs qui a fait partie de l'histoire du club et qui a permis de gagner un de ces 11 titres? Je parlais de ça tout à l'heure et c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec... Moi, en tout cas, j'ai cette impression qu'avec le nouveau Paris, le fait que je sois passé dans ce club, ben, ça prend encore plus d'ampleur. Donc, ça met encore plus de fierté. Bon, je l'ai vécu ce titre un peu par procuration parce que je suis parti à la moitié de la saison, mais je le prends quand même. Et oui. C'est gravé dans la roche, comme on dit, donc personne ne me l'enlèvera. Je l'avais aussi, bravo. Christophe aussi, champion de France, double champion de France 2013 double. Et 2014. Toi aussi, tu as du coup apporté ta pierre à l'édifice. Qu'est-ce que tu as ressenti aussi quand le club est allé gagner ce 11e titre et puis battre ce record de titres de champion de France? Bon, alors même si c'est pas nous qui avons eu le 11e, on est quand même partie prenante de tous ces événements. Donc on a apporté, comme le disait Guillaume, une pierre à l'édifice. Et c'est vrai que le PSG a grandi depuis qu'on est parti. On a connu des moments plus durs, plus sombres. Puis après aussi ce nouveau Paris qui débutait avec une ère beaucoup plus prospère. Et c'est vrai que d'avoir pu participer justement à tout ça, ça rend encore plus fier. Se dire qu'on est passé par ce club et qu'on a été dans les premiers à essayer de l'élever, c'est quand même génial, quoi. Et de vos saisons passées au club, si vous aviez tous les deux un moment à retenir, est-ce que c'est justement ce titre de champion, un match en particulier, un but en particulier, Guillaume? Frappe de Christophe Jallet, repoussé par Ruffier, ouais. Et puis peut-être finale de Coupe de France. Je pense que c'est ce qui résume un peu notre amitié. Ouais. Ouais, c'est vrai. Merci Jaja, je te l'ai jamais dit, mais merci Jaja. Merci. Si tu dis merci à la Ruff, moi j'ai frappé la détournée. Mais c'est merci vrai que merci, on a vécu une sacrée saison galère cette année-là. Et ce titre de François. Hein, ouais. Ce titre, franchement, en Coupe de France, ça nous a réconcilié un peu avec tout le monde et ça nous a apporté quasiment notre premier titre. Donc, ouais, vainqueur de la Coupe de France en 2013. Et ça, c'était la Coupe de France. Coupe de France 2009. 2009, c'est ça. Je dis Coupe de France 2013 pour Guillaume, je crois qu'il était vainqueur de la Coupe de France en 2013, c'est ça? Non, c'est 2009 lui aussi. Non, 2009. Ouais. 2009. Ok, j'ai mal noté. j'ai mal noté tout à l'heure. C'est pas grave. Après, moi, j'ai un mauvais souvenir avec Jaja. C'est dans le premier titre en 2013, si je dis pas de bêtises. On joue ici. J'étais à Brest et vous nous mettez 3-0. C'est vrai. Et il avait mis de la couleur alors qu'il est bon. C'est vrai. Je vais pas aller sur le domaine capillaire, mais il avait mis de la couleur sur ses cheveux. C'était pas génial, j'avoue. En plus, c'était pas très télégénique. Mais sérieux, ça, c'était notre premier titre. Ouais, c'est toujours difficile quand tu affrontes une équipe qui est avec un doublé de Zlatan. Ah. Ouais, forcément. Et une lucarne. Un beaucoup franc d'ailleurs. Un beaucoup franc, ouais. Et j'étais dans le mur. Pas sauté assez haut? J'ai pas sauté. J'ai sauté, mais je me suis retourné pour voir où le ballon était allé. Spectateur. Ah, c'est compliqué. Guillaume, on me dit dans l'oreillette, mais je le savais aussi. Très bon artiste. On sait qu'une guitare à la main, je crois que t'es très doué. En une batterie aussi, non? Batterie aussi? Harmonica aussi. J'aurais voulu être un artiste. C'est un artiste balle au pied déjà, c'est pas mal. On me dit aussi que t'as un vrai pince sans rire. T'es capable de sortir une blague à la demande. Ah, que tu es capable de sortir une blague à la demande. Donc nos fans sur Twitch nous demandent. Je pense qu'on forme un beau duo avec Jaja et puis c'est spontané, ça sort un peu comme ça. Nous on est dans le jeu de mots, mais toi t'as plus de blagues, celle des poussins, tout ça. Là. Mais fait celle voilà, il n'y a pas forcément. Non, mais non. Ah ouais, pas bien celle-là. Description là-dessus. Ah, bon, on n'aura pas. Malheureusement, on va laisser un peu le temps de chauffer. Peut-être en fin de soirée. Peut-être à Guillaume en fin de soirée. On essaiera de vous diffuser ça par ailleurs. En tout cas, messieurs, on vous remercie d'être venus sur le plateau du live Twitch. On vous souhaite pour Christophe une belle finale,
avec le titre au bout, c'est toujours important. Hein. Oui, ouais, si on l'a, tant mieux, ça fera plaisir à toute l'équipe, mais l'essentiel est ailleurs, j'ai envie de dire. Et puis, match de belle classement, du coup. Match de classement, du coup, pour toi, Guillaume. Match de classement, pour la troisième place. Donc, on va une médaille à aller chercher. Maintenant qu'on est là, donc... Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci les gars. À vous. Et bonne fin de... Avec plaisir. On t'aime comme t'es. Ah, ça c'est gentil. Moi aussi, je vous aime. Ça, c'est clair. Ça fait plaisir de se revoir un peu plus souvent ces derniers temps. C'est pas faux, parce qu'on se voit pas mal de fois quand même. Un beau moment d'amour et de... Bien sûr, toujours. Amour, échange. Amour, gloire et beauté. Voilà, ce sont les valeurs du club aussi, de l'amour, du partage. Merci beaucoup, messieurs. Ciao. Et bonne fin de tournoi. On le dit, on est ici depuis 15h30 en live du Parc des Princes pour ce Dream Tournament organisé par All.com, notre partenaire premium du Paris Saint-Germain. On va faire une petite pause et on va vous laisser, messieurs, dames, avec un retour sur la joie qui a été la joie de ce 11e titre de champion de France. Gagné ici face à Clermont, le trophée soulevé ici face aux supporters. Et puis on se retrouve juste après cette vidéo. Ça date, il est là, ça date, il gagne. Date aussi, il gagne, ça date. Ils sont là, Nuno, Viti, Renato. Et là, il y a le tonton, Danilo, numéro 10, Da Silva Santos Junior. Ouais, c'est bon, les gars. Lionel Messi, 7 ballons d'or. Il est là, il est là. Voilà, on est revenu ensemble sur le plateau de ce live Twitch et vous avez pu revivre la joie occasionnée par ce 11e titre de champion de France. Vous le voyez sur votre écran, les matchs viennent de se terminer à l'instant. L'occasion pour nous d'accueillir une nouvelle légende du club. Un Trippi, il a que des amis ce soir. Ouais, après-midi autour du plateau, il y a que des collègues. Après, avec non, si Clem, si. Moi, je suis son ami maintenant. Je sais pas si. Si il avait l'air d'avoir quelque chose à redire. Ah, tu te mets où tu veux, Clément, vraiment. C'est toi qui choisis. Faut que tu fasses attention parce qu'on est un peu en pente. Hein. Ah, on a Arsène qui se plaint, il dit que t'es un peu trop fort. Vous sous-estimez Clément, ouais, c'est pour Arsène ça. Qui est... il accélère pas trop. Hein. Il faut qu'il dorme la nuit aussi, il dort pas. Ouais, apparemment, il dit qu'il dort pas. Il nous a dit ça, qu'il a été bloqué à l'aéroport, le pauvre. Donc forcément, on comprend. Il arrive diminué. On prend tous les faits de jeu, ça, c'est important. Bon, Clément, comment est-ce que ça va? Mais je vais même laisser, je pense, la primeur à Trippi. Vous connaissez bien tous les deux. On se connaît, on côtoyait, on a joué ensemble, on se voit par moments. Et je suis content qu'il soit là. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas vu. Et comment ça va? Bah ça va bien, hein, tu sais, je continue à jouer encore un peu au foot moi. En N2 à Chartres, c'est ça? Ouais c'est ça, enfin ça a pu être trop longtemps en N2. L'année a été compliquée, non mais sinon ça va, bon, je m'éclate, moi je fais plein de choses à côté, donc c'est toujours un plaisir de revenir ici au parc, de pouvoir jouer, de croiser des comme Trippi, des anciens avec qui on a joué, avec qui on a côtoyé. Donc c'est toujours sympa de pouvoir partager ces moments. Donc franchement très cool. En plus les gens qui sont là,
tout se passe bien, donc franchement, on ne va pas se plaindre. Hein. Une belle après-midi. Le bilan un peu de tes rencontres Tu sais, on s'est fait avoir. On est dans la farce. Ça commence. Le meilleur des mauvais, on dirait. Tu vois, comme quand t'es quatrième, toi. Ouais. Pareil. On gagne nos deux premiers matchs, on perd le dernier et on se fait avoir au goal average particulier. J'ai connu ça. On a pris un but et on a gagné les deux derniers matchs. Donc on finit les meilleurs des autres. Meilleur quatrième. Ouais, le meilleur de la consolante. Tu vois. C'est pas mal. Il y a une médaille peut-être. Il y a quelque chose au bout. En chocolat, ouais. C'est toujours bon, après avec les efforts que tu as fait, tu pourras la manger. Hein. Ouais, j'avoue, j'ai un peu plus joué que ce que j'avais prévu. Hein. Ouais, on a eu Daniel qui est passé tout à l'heure, Daniel Narcisse qui transpirait pas du tout, faut être honnête. Il y a eu Guillaume Waro qui est venu juste avant toi, je pense qu'il a trempé le. Moi, c'est le soleil, toi, je supporte pas. Ouais, t'as vu, en plus, il y a un truc manche-longue. Ouais, t'as voulu jouer professionnel jusqu'au bout, t'as mis les manches longues. Ouais, c'est surtout pour ma santé que j'ai fait ça. Bon, cette pelouse, elle est comment? Elle est dure. Ouais, manque un peu d'arrosage. Ouais, je pense qu'ils veulent plus arroser. Il faut des restrictions d'eau, tu vois. Il faut le budget, il est limité là. Moi, je discutais avec un des jardiniers. Il me disait qu'ils veulent pas trop arroser parce qu'ils ont peur que ça développe quand même des maladies. Non, même si la pelouse, ils vont la changer. Ouais, mais je crois que c'est parce qu'ils la changent. Ils vont la changer. Et puis déjà, le terrain est très bien parce que je me rappelle d'une année où on était avec le Solaire Camboiré où ils avaient changé la pelouse. Je veux pas dire d'où elle venait. Je veux pas dire aussi le prix, mais je peux dire quand ils faisaient une passe. Je précise que c'est une blague que je fais, parce que moi je joue à Chartres, c'est pas ça, ça à Chandeline. Donc c'est vrai qu'il est un peu dur parce qu'il ne l'arrose pas, mais c'est une galette. Hein. Pas de tacle aujourd'hui? Non, mais il y en a quand même qui sont essayés à faire des tacles. Je pense que c'est pour garder ça en souvenir. Un jour j'ai taclé au Parc des Princes, et ils ont quand même taclé. Ouais. Et du coup, t'es face à... Y a qui dans ton équipe? Est-ce que c'est des influenceurs? Est-ce que c'est des médias? Non, moi c'était médias, moi. Beaucoup de. Il y avait Combini, Omagol, un peu de mélange de ça, moi. T'as pas croisé de journalistes qui étaient à l'époque journalistes quand t'étais sur le terrain? Parce que ça peut avoir... On peut avoir un petit esprit de revanche derrière. Non, ça va. Non, heureusement. On clame jamais, Clem. Jamais, dans son coin, tranquille. Ouais. Non, moi je leur parlais pas, c'est ouais, tout. Voilà, hein, c'est ça. No comment. On fait des choix après. Le but, c'est juste de les assumer. Mais non, si tu prends pas de risque, on a de la rancœur, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et est-ce que t'as eu l'impression que les adversaires face à toi essayaient de tenter le petit geste de trop Ça arrive, ça. Et alors? Après, il faut trouver le curseur pour nous, de dire est-ce qu'on joue à fond, est-ce qu'on joue tranquille. Donc des fois, t'as envie de mettre... Mais bon, tu te retiens parce que le but, c'est de passer une belle après-midi. C'est pas de faire un blessé, quoi. Ouais, c'est ça, que ça se passe mal et... Enfin... Tout à l'heure, il y en a avec certains, ça a chauffé pour des conneries. Donc, c'est dommage. Quoi. Bon, du coup, meilleur troisième, on va dire, ou meilleur de la consolante. Meilleur de la consolante, ça va bien. Ça fait bien. De ce tournoi. Comment s'est passée la matinée jusqu'à présent? Il y a eu, je crois, la présentation ce matin avec un petit moment d'échange avec les fans. T'as senti les gens contents de te voir? Bah après, c'est pas moi qui faut demander ça, mais je pense que ça s'est bien passé, tout le monde est content. On a eu la chance, il n'a pas plu, parce qu'au moment des présentations, il a plu. Donc on a évité ça déjà, et puis on a bien mangé. Non, c'est cool. En fait, ce qui est bien dans ces tournois-là, c'est que tout le monde peut échanger, et ça permet de aussi, même pour nous, Trippi, il connaît ça, c'est d'échanger avec d'autres générations. Tu vois, nous, dès que pendant que tu joues, tu es toujours avec les mêmes personnes, entre guillemets, et là... Ça te permet d'échanger, de voir d'autres générations et c'est cool quoi. Ouais, c'est important aussi de pouvoir se faire ce mélange. Il y a 15 légendes présents aujourd'hui, 2167 matchs, tous joueurs, toutes légendes confondues. Ça fait quand même un paquet de matchs, un paquet d'expériences aussi sur le terrain. De l'expérience, il y en a juste à tes côtés. Il vient d'arriver, Luis Fernandez. Bonjour Luis. Et je sais pas, est-ce qu'il a fait pendant les matchs, il a bien joué ou pas? Ah, je sais pas ça. Il faut qu'on lui demande. Luis, il y a le micro qui est juste à côté de toi. Attends. Non, j'ai pas trop joué. Plutôt coaché. Bon, ça va, j'ai une équipe qui a bien réagi. On finit cinquième, on a assuré le maintien. Voilà. Il faut le maintien et on peut pas jouer avec des champions, hein, c'est tout. Hein. Ça peut pas être tous les ans. On avait des stars, mais voilà. J'étais le Messi de l'équipe. J'ai marché. Mais bon, j'ai passé un bon moment. Qui t'a le plus impressionné dans ton équipe? Parce qu'il y a un joueur qui est sorti du lot. Yemen. Il y a un joueur qui s'appelle Yemen, là, qui est techniquement pas mal dans ses prises de balles, dans ses accélérations. Après, tu sais, t'as tout ce mélange qui se fait. Puis il faut savoir leur rendre hommage parce qu'ils font le maximum, ils font le nécessaire. Et j'ai trouvé que leur attitude, le comportement, et puis on a même fait des échauffements avec Eric Blondel, qui était un ancien qui a travaillé avec moi au Paris Saint-Germain. Ils ont vraiment bien fait. Et puis
avec beaucoup d'applications. Et oui, t'avais préparé ça sérieusement. Non, mais bon, j'aurais montré qu'avec un préparatoire, il faut un bon échauffement avant un match. Il faut bien s'échauffer, il ne faut pas faire du n'importe quoi. Parce que le premier match, on a fait du n'importe quoi, on en a pris 4. Après, on a rétabli la... Ça allait beaucoup mieux. Non, mais c'est bien, je suis content de, de la participation de cette équipe avec laquelle j'ai eu l'occasion de jouer. Bon, on a pas mal de titres de champion de France de votre côté. Clément, tu en as gagné un, je crois, de mémoire. Deux pour Clément et un pour Louis. Un seul en tant que joueur. En tant que joueur, oui, c'est ça. Vous avez donc aussi, vous, apporté cette pierre à l'édifice, ce 11e titre qu'on est allé chercher cette saison. Vous avez ressenti de la fierté aussi en voyant que le club franchissait ce record, devenait le club avec le plus grand nombre de titres de champion de France. Après, pour être honnête avec toi, je pense que cette année, même s'il y a le 11e titre qui est historique par rapport au foot français, je pense qu'il a un petit goût amer quand même. Il faut être honnête avec ce qui s'est passé. Je pense après, Louis peut-être aura un autre avis, mais avec ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, l'élimination, l'année qui a été compliquée parce qu'il y a eu des matchs, on s'est un peu ennuyé hein, cette année. Il y a eu la Coupe du Monde aussi. Ouais, c'est ça aussi peut-être qui a joué avec la Coupe du Monde. Et en plus, au moment de faire la fête, il y a eu cette terrible nouvelle avec Rico. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est un petit goût amer. Après, ce qui est important, c'est aussi de marquer l'histoire. Donc c'est bien que ce soit le PSG qui marque l'histoire. Je pense que tu te dis, il y avait un contexte particulier, plein de choses différentes tout au long de la saison qui se sont passées. Mais je pense que malgré tout aussi, arriver à faire ça, malgré tout ce contexte-là, c'est en soi déjà, je ne veux pas dire un exploit, mais c'est déjà en soi une bonne chose que le club soit arrivé à gagner ce 11e titre cette année. Louis ? Moi, un titre, c'est un titre. C'est un, on va dire, c'est 38 journées de jouer. Dans lesquels on a eu dans le passé, je ne sais pas si j'ai le souvenir, c'était Montpellier, voire Monaco, et qui nous avait quand même enlevé ce titre de champion. Là, c'est vrai, comme disait Clément, il y a une saison, on va dire, avec des hauts et des bas. Il faut être logique, tout n'a pas été parfait. C'est pour ça que la Ligue des Champions, ça reste quand même une sacrée déception, parce que cette Ligue des Champions, on n'est pas passé loin. On a joué une finale, une demi-finale, on s'attendait à mieux, à beaucoup mieux, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, le titre, c'est un titre. Un titre de plus au palmarès du club. Maintenant, à ce club d'essayer de bien repartir, d'essayer de trouver les éléments, l'équipe pour essayer d'aller chercher cette Ligue des Champions. Parce qu'on du côté du Paris Saint-Germain, on l'attend depuis 10-11 ans et on aimerait bien qu'elle arrive vite. On espère, on verra comment se passe la saison prochaine. Louis, toi, tu fais partie de l'équipe qui a gagné le premier titre de champion de France. En plus, tu étais capitaine. Oui. Est-ce que ça a une saveur encore plus particulière, ce premier titre pour toi, d'avoir été le premier à poser cette pierre ? Le premier, c'est que déjà, on avait déjà gagné un titre en étant champion de France, pas champion de France, en gagnant la Coupe de France en 82, au pénalty ici, dans un stade avec une belle ambiance contre Saint-Étienne. Ensuite, quand Gérard Houllier, on est l'entraîneur de cette équipe en 86, on va dire que c'est quelque chose de magique parce qu'il y a un état d'esprit, on sent que les supporters sont là durant toute une saison, ils nous supportent et nous on fait les efforts, on fait tout pour aller chercher ce titre. Et c'est vrai qu'on a tout mis, on a mis ce qu'il fallait. Et puis j'étais comme capitaine, mais il y en avait des capitaines de partout dans cette équipe parce que c'était un groupe qui était vraiment... bon par l'état d'esprit, la mentalité, tu n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, c'est tout le monde suivait, tout le monde, et puis l'entraîneur paix à son âme à Gérard Houllier avec son staff, ils ont vraiment réalisé quelque chose de beau parce qu'un titre là, cette année-là, c'était. Il y avait de la concurrence en face. Hein. Et on l'a vu aussi cette année en championnat, on a vu des équipes comme Lens et Marseille qui ont mené la vie dure à Paris tout au long de la route. Donc on voit aussi que même si ce titre-là s'est fait dans un contexte particulier, on voit qu'il y a quand même encore des équipes à côté de Paris qui sont pas loin et qui poussent pour avoir ce titre-là. Clément, toi, tu as fait tes armes au club de 2006 à 2015. C'est quoi un peu ton meilleur souvenir de cette période ? Il y a deux titres de champion de France, 2013 et 2015. Moi, je suis arrivé en 2000 au PSG. Je suis formé, je suis arrivé, j'avais 12 ans, j'allais sur mes 13. Donc tu sais, il y en a des beaux souvenirs, j'en ai plein avec le club. Il y a forcément le titre de champion que j'ai eu avec Carlo, parce que humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire, donc on a vécu une saison incroyable. D'ailleurs, cette année-là, on se fait éliminer en Ligue des Champions sans perdre. Contre Barcelone, je crois. Ouais, ce qui était assez frustrant. Il y a
Trippi, je pense que tu étais là, il y a le titre en 18 ans. En 18 ans, oui, exact. C'était un des premiers du club. C'était sympa parce que ça conclut une belle histoire avec les mecs de ta génération. Parce que avec chaque fin d'année, il y en a qui partent, il y en a qui restent. Donc d'avoir eu ce titre, ça permettait de conclure ça. Avec les parents, on se connaissait tous, donc c'était assez sympa. Donc voilà, c'est de beaux souvenirs. Après, j'ai eu les Coupes de France, Coupe de la Ligue. C'est des moments... Louis aussi... C'est plus populaire. Il a parlé de la victoire contre Saint-Étienne. Les histoires de coupe, c'est des trucs assez sympas. Coupe de France 2010, Coupe de la Ligue 2008, Trophée des champions en 2014. Pour Louis, la liste est très très longue. Alors, je ne sais pas si je dois les donner en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, mais il y a eu championnat de France en 86, deux fois vainqueur de la Coupe de France en 82 et 83, tu l'as dit, vainqueur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe en 96, vainqueur de la Coupe de France 95, Coupe de la Ligue 95, Trophée des champions 95, et puis la Coupe Intertoto en 2001, ça c'est en tant qu'entraîneur pour la deuxième partie, un beau palmarès aussi. J'imagine que c'est très difficile de retirer... Le palmarès ne se fait pas tout seul. On est dans un sport collectif et je voudrais rendre hommage à ceux qui ne sont plus de ce monde, père leur âme qui sont en haut et puis ces entraîneurs et puis ces joueurs qui nous ont accompagnés parce qu'on n'est pas seul, que ce soit moi ou Clément. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur, on a des groupes qu'il faut gérer. En tant que joueur, il faut avoir un état d'esprit remarquable, c'est ce qui a été le cas, ce qui a été fait. Puis voilà, moi je n'ai que des bons souvenirs et ces bons souvenirs que j'ai partagés avec lesquels on a eu... de lancer un peu l'histoire du PSG, parce qu'il y a une histoire qui se lance en bien avant, 10 ans avant nous, pour gagner, pour monter. Il faut se souvenir de Justo Fontaine avec son équipe. Et puis voilà, après, moi j'ai la chance de côtoyer les Daleb, les Toko, les Boubacar, cette génération-là qui est reluisante, qui est belle à voir jouer. Et puis voilà, et après en tant qu'entraîneur, j'ai aussi des garçons que j'ai eu à avoir sous ma coupole, et puis ça a été parfait, ils avaient pour gagner, pour faire, et après t'as des hauts et des bas, on ne réussit pas tout, hein, c'est tout, il faut savoir l'accepter, voilà, c'est comme ça, mais j'ai essayé de donner le maximum pour ce club qui est le PSG, c'est le club dans lequel j'ai grandi, c'est là où j'ai démarré comme Clément, puis on est très attaché à ce club. Ouais, je pense qu'on est tous autour de la table, hein, mon tripi, j'ai aucun on a doute. Joué le maintien, nous, avec le PSG. Hein. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à la dernière journée. Ouais. Donc on a tous à cœur ce club du Paris Saint-Germain. Je remercie Clément d'être passé avec nous. On va pouvoir accueillir merci à vous, hein. Une autre merci, légende Clément. Du club. On vous garde encore un tout petit peu, Louis, et après on vous libère, promis. Paolo, t'as gagné ? Oh, bon dia. Alors je vais te laisser parler portugais. Attends, moi c'est un portugais très basique. Je suis en finale. Moi j'ai cinquième. Je suis en finale grâce à toi. Ah donc tu vas donc Paolo. Gagné le premier match. Donc Paolo César va avoir la chance de jouer contre Christophe Jallet. Un duel. Moi je vais avoir cette chance-là. Ouais. Comment après, ça une bonne équipe, là, j'ai vu, ils ont joué, une bonne équipe. Après, on va jouer le match. Hein. Bon, Paolo, j'ai pas l'impression que le maillot soit beaucoup mouillé. Ça veut dire quoi que t'as pas joué du tout ? Si, mais il n'a pas besoin. J'ai joué presque tous les matchs. Ah ouais. Après, j'ai pas transpiré beaucoup, ça va. Il a un maillot jaune. ça se passe bien, ça se passe très bien. On continue comme ça, c'est bien. C'est quoi les Brésiliens ? C'est quoi les points forts de votre équipe ? Le point fort de notre équipe, c'est la jeunesse. La jeunesse, moi je suis un peu vieux, là, la jeunesse, ça court, hein. Ça court, c'est le point fort. Bon, très bien. Paolo César qui est passé au Paris Saint-Germain de 2002 à 2007, vainqueur de la Coupe de France en 2006. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir un peu marquant pour toi de ton époque parisienne ? Déjà, le souvenir plus important pour moi, c'est déjà porter le maillot de PSG. Après, grâce à Louis, qui moi j'ai porté ce maillot, et grâce à lui qui m'a ouvert les portes pour que moi je sois là aujourd'hui. Je me le remercie aussi devant tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et moi, je suis très reconnaissant par rapport à ça. Et voilà, les matchs que moi j'ai vécu au Parc des Princes, qu'il soit avec Louis, qu'il soit avec les autres entraîneurs, c'était vraiment sympa. Et porter un titre avec cette club-là, pour moi, c'est très important. On imagine, toi Trippi, même poste que Paulo, je crois. Même poste que Paulo, et aussi mon premier match. Peut-être Paulo ne s'en rappelle pas, mais mon premier match quand je rentre au Paris Saint-Germain suite à la blessure de Sylvain Ramon, c'est face à Toulouse. Et Paulo jouait ailier droit à ce moment-là. Ah. Ouais, c'est et t'avais les Mizuno. Ouais, exactement. Voilà, c'était mon premier match. C'est vrai que jouer face à Paolo, c'était quand même assez incroyable. Ouais, ça a été un des grands latéral gauche de l'équipe. Bien sûr. Et puis c'est surtout une patte droite aussi. C'est ça, c'est faire reconnaissant.
Merci Louis, en tout cas pour ta présence. Bonne chance. Ouais, bah, ça, pour lui, j'ai une autre anecdote, mais il va pas s'en rappeler. Ah bah vas-y, vas-y. Alors, c'était à un moment donné, vous avez une Opel cabriolet. Ouais. Voilà. Vous sortez ici, parce que moi j'étais au lycée Claude Bernard, qui est juste en face de... Vous avez failli m'écraser. Ah oui ? Ouais, mais c'est pas grave. La grise, là. Je vous pardonne. J'ai pas mon permis. La prescription. Zigzag, on fait des... Mais aujourd'hui c'est pardonné. Des femmes de corps. Aujourd'hui c'est pardonné. Ah mais excuse-moi si j'ai. Non, non, mais c'est pas grave. Mais au final, après ça m'a permis après de. Voilà, c'est une expérience parmi tant d'autres, c'est une histoire. Et après moi aussi j'ai eu la chance de jouer au Paris Saint-Germain, de faire toutes mes classes. Et, c'est bien. C'est vraiment un clin d'œil quoi. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Louis. Paolo. Paolo, donc finale. Finale, ouais. L'objectif c'est quoi? C'est quand même de gagner quand on. Ah oui, bien sûr. Si on va entrer sur le match, bien sûr, on va jouer le match pour le gagner, bien sûr. Après, on verra qu'est-ce que ça donne. Bon, on accueille. Alors, j'imagine que Sabrina n'est pas finaliste, parce que je crois que c'est Christophe et l'équipe de Paolo qui vont jouer la finale. Avec une mine un peu dépitée, on est désolé, Sabrina s'est remis un peu le couteau dans la plaie. Ah oui, t'étais dans l'équipe de Nadia, toi, non ? Ouais. Ah, vous avez alors le même maillot, mais pas la même équipe. Pas la même équipe. On a à peu près les mêmes résultats, par contre. Ah oui, d'accord. Mais non, on va pas parler du résultat. Bon, un tout petit peu quand même. Le parcours. En fait, on est monté un peu comme ça, crescendo. Au début, on se connaissait pas. Donc on n'a pas gagné un match sur la première matinée, mais on a fini par une victoire 6-0. Oh là là. Oh. Ouais, là, je pense que si on jouait, on pouvait battre l'équipe parti. De Polo. Ah ouais. Là, il... Par contre, t'étais dans le but. Hein. C'est là où on a gagné. T'as joué dans le but. T'as joué dans le but. Voilà. Dernier match. Dernier. Voilà, défenseur, capitaine. Mais en fait, j'ai mis que des ballons devant sur les grands. À l'ancienne. Ça, c'est des tactiques de Roublard. C'est des tactiques d'anciens, ça. De Robert aussi, il faisait ça. J'ai joué sur les qualités de mon équipe. Et après, on a trouvé la solution. Bon, du coup, du coup, ça arrive. La mayonnaise a pris un peu tard. Un peu trop tard. Mais quand même, finir par une victoire, ça fait du bien. Sinon, ça aurait été vraiment dur de. Bah, surtout 6-0. C'est... Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Ça fait longtemps que je joue pas aussi. Ça faut pas dire. Sabrina, on le rappelle, directrice adjointe de la section féminine du Paris Saint-Germain, section professionnelle féminine, ou c'est toute la section féminine ? Ah, il y a aussi les jeunes. Il y a aussi les jeunes, ouais. Donc voilà. Donc directrice adjointe de la section féminine du Paris Saint-Germain. Si on revient un peu sur la saison de l'équipe féminine, comment est-ce que tu ferais le bilan un peu de leur prestation? Toi en plus, Paolo, je crois qu'il y a une saison ou deux, tu étais... Ça fait la troisième saison, je suis dans la quatrième saison pour aller entraîneur adjoint de U19 féminine. Voilà, donc on a deux... C'est ma patronne. Elle qui donne les ordres. Pas de questions pièges. Trippi, on est gentil avec Paolo, pas de questions pièges. Comment ça s'est passé cette saison avec l'équipe? Non, c'est décevant parce qu'il n'y a pas de titre au bout forcément, donc on ne peut pas se satisfaire d'une saison comme ça. Mais après, c'est vrai que petit à petit, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, notamment en termes des blessures, on a réussi à toujours rester dans la course jusqu'au bout quasiment des trois compétitions. On s'est fait éliminer par le finaliste de la Champions League. C'est passé proche, on a eu des erreurs un peu d'arbitrage. Après, c'est le foot, on ne va pas revenir sur tout ça. Mais quand on voit après les deux oppositions contre Lyon aussi en coupe et en championnat, bah, il manque que la victoire et il manque que les buts. Donc on sait sur quoi il faut travailler pour la saison prochaine. Il y a eu des beaux rendez-vous ici au Parc des Princes pour l'équipe féminine, je crois contre Lyon, contre Wolfsburg, il me semble, ici aussi. Ouais. Donc c'est bien aussi que le public du parc prenne l'habitude de venir soutenir cette équipe féminine du Paris Saint-Germain qui joue d'habitude ses matchs à Saint-Germain-en-Laye en attendant peut-être de les jouer ailleurs plus tard, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait cette relation qui continue d'exister puisqu'il y avait de toute façon des ultras notamment qui viennent vous voir à Saint-Germain-en-Laye. Et pour les U19, Paulo, comment est-ce que ça s'est passé cette saison? C'est passé très bien, même si comme Sabrina l'a dit, on n'a pas gagné le titre, mais malheureusement, on a perdu le championnat sous une défaite. On a tout gagné. Je pense que les joueuses, elles ont bien travaillé pendant toute la saison. À la fin, on a échoué. Mais bon, après, c'est le travail qui compte. Là, on va pas jeter des pierres à tout le monde. Parce que là, c'était un match. Et malheureusement, on a perdu le titre sous ce match-là, contre Lyon aussi, qui avait une très belle équipe aussi en face. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler avec ces filles-là et faire progresser pour qu'elles arrivent un jour à ses objectifs. On reprend juste une petite parenthèse. Vous le savez, pendant toute la durée de ce live, Hall, partenaire premium du Paris Saint-Germain, vous permet de gagner un week-end pour deux personnes dans un hôtel du groupe Accor partout dans le monde.
Donc c'est pas rien pour vous et l'accompagnant de votre choix. Pour ça, simple, il suffit de répondre à cette question. Depuis quand le partenariat entre le Paris Saint-Germain et Hall a-t-il débuté? On vous laisse mettre vos réponses dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Et puis à la fin de l'émission, on fera un petit tirage au sort. Je reprends aussi la formation parisienne mise à l'honneur, je crois, la semaine dernière avec l'officialisation de la signature d'une joueuse formée au club Océane Toussaint, si je ne me trompe pas. C'est bien aussi de voir des joueuses que toi, tu as pu avoir, j'imagine. Ouais, pendant... 3 ans, ouais. J'ai eu la formation d'Océane 3 ans. C'est un gardien, moi je ne suis pas spécifique gardien. Il y a José qui est un entraîneur de gardien qui l'a côtoyé pendant 5 ans. Ouais, je pense que ça, c'est une valorisation aussi pour nous et staff d'avoir ces joueuses qui font le parcours en formation et qui arrivent à signer son contrat pro. C'est quand même très important et nous, on est très fiers que Océane ait signé. Ouais. J'imagine aussi Sabrina. Ouais. Toi... Ouais, c'est une belle reconnaissance du travail aussi de tout ce qui est fait avec le staff des U19. Et pour le club, c'est un enjeu important. Il va se passer encore beaucoup de choses la saison prochaine sur les jeunes. Il y a l'officialisation bientôt de la création des centres de formation, donc il y a un investissement fort aussi de la part du président sur nos jeunes. Donc on va former plus de jeunes, on va essayer de leur donner encore plus de conditions pour progresser, et l'objectif c'est vraiment de réduire cet écart entre notre formation et l'équipe professionnelle pour s'appuyer sur le joli bassin parisien qu'on a avec beaucoup de talent. Donc il y a encore beaucoup de travail et on sait qu'on peut continuer d'avancer dans ce sens-là. J'imagine que toi, tu le vois un peu, la différence entre ton époque où, je crois, quand tu as commencé, vous n'étiez même pas professionnel, vous étiez semi-pro, c'est ça, l'époque? Oui, oui, on était presque amateur, honnêtement, mais c'était en 2005, donc c'était déjà il y a longtemps. Mais oui, j'ai eu la chance de voir l'évolution aussi au club, de voir la progression, la professionnalisation, les conditions s'amélioraient tous les jours. Et puis là, ça fait 6 ans que j'ai arrêté, et j'y reviens un petit peu et je vois encore... tout le travail qui a été fait pendant toutes ces années. On voit des championnats comme celui de l'Angleterre. Donc il faut que ça soit aussi des modèles un peu pour nous, même si le modèle ne peut pas être reproduit exactement. Il y a plein de choses qui diffèrent, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut s'inspirer pour continuer de mettre le football féminin en France au plus haut niveau possible. Ouais, toi, tu étais à la Fondation jusqu'à la saison dernière. Et puis, tu es revenu un peu à tes premiers amours, même si j'imagine que tu as encore beaucoup d'affection pour l'équipe de la Fondation du Paris Saint-Germain. Je sais que tu es toujours un peu avec eux de temps en temps. Mais voilà, c'est vrai qu'on est nous aussi contents de te revoir autour de l'équipe féminine, puis d'avoir aussi un joueur d'expérience comme Paolo César pour accompagner ces jeunes joueuses. Et on le voit, ça marche avec la signature d'Océane Toussaint, donc jeune gardienne qui a signé son contrat pro, son premier contrat professionnel avec le club la semaine dernière. Non, bien sûr, et puis ce qui est important, c'est surtout sur le projet avec les féminines, c'est que les U19, ils travaillent sur 3 générations, donc en fait les filles ont le temps d'évoluer, de bien évoluer, avec aussi l'assistance du groupe professionnel pour avoir un suivi, et après derrière on arrive à avoir des signatures sur des joueuses qui ont excellé dans la catégorie. Je vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu passer sur notre plateau. Paolo, on a juste à te dire merde pour la finale. Allez. Faut pas dire merci. Non, t'inquiète, on va jouer là. Bon, parce que Christophe, il a les dents longues. Il veut gagner. Ce que je vous propose, c'est que on se retrouve dans quelques minutes. Juste le temps pour vous de revoir les plus beaux buts marqués sur cette saison 22-23 du Paris Saint-Germain. Et puis on se retrouve juste après, ici en direct au Parc des Princes, pour ce tournoi Dream Tournament organisé par Hall, partenaire premium du club.
On est de retour ensemble. Désolé, on est parti un peu à la pêche aux informations parce que l'idée c'est quand même qu'on vous montre un peu de football cet après-midi. Hein. Trippi, il est venu là aussi pour voir un peu de foot. Et donc on va pouvoir voir deux belles finales. Donc je vous explique un peu le programme de cette journée. Il y avait 8 équipes pour la partie membre de ce tournoi, partie membre hall. Et après il y avait 8 équipes. 8 autres équipes avec des joueurs influenceurs qui étaient regroupés dans la même équipe. Et donc il y a deux finales séparées. Donc la première finale des membres opposera l'équipe Mövenpick, c'est celle de Christophe Jallet qu'on a eu tout à l'heure, à l'équipe Joe & Joe de Paolo César. Donc ce seront qui seront opposés sur les équipes influenceurs. Ce sera l'équipe de Daniel Narcisse opposée à celle de leur boulot. Il y aura une grosse opposition, mais c'est vrai que cet événement c'est toujours plaisant. Ça permet aussi de rassembler beaucoup de personnalités, des gens qui travaillent aussi dans les partenaires du Paris Saint-Germain. Ça permet aussi d'avoir une bonne fête, que ça soit aussi convivial. Et on a hâte que cette finale approche et soit sifflée. Ouais, nous on a hâte de pouvoir vous commenter ça, puis vous laisser vivre ça aussi, vous en avez peut-être assez de nous entendre parler depuis tout à l'heure. Donc on a hâte de pouvoir vous commenter ça et vous laisser vivre la rencontre. On vous l'a dit, après le programme, normalement aux alentours de 17h20-17h30, la remise des prix, et puis 18h, début du cocktail, partie by M Gallery, et enfin à 19h30, pour clôturer cette belle soirée, cette belle journée organisée par Hall, le live concert by Ibis Music. En attendant que cette finale débute, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'avoir dans quelques secondes Jérôme Alonso sur le plateau avec nous, qui va arriver. On lui laisse 2 secondes. Et en attendant, on peut vous reparler du jeu qui vous permet de gagner un week-end pour 2 personnes dans l'hôtel Accor de votre choix partout dans le monde. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de nous donner la réponse à cette question. Depuis quand le partenariat entre Hall et le Paris Saint-Germain a-t-il débuté? Voilà, vous savez tout, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Et en attendant, on accueille grand plaisir Jérôme Alonso. Messieurs, le papa. Bonjour à toutes et à tous, salut. Comment ça va? Ça va, super. Grande relation avec cet homme. C'est vrai, raconte-nous. Ouais. Ça va bien? Ouais, franchement, grande relation, parce que c'est des personnes qui m'ont accueilli quand je suis monté avec les professionnels, qui m'ont tout de suite mis dans le bain, qui m'ont donné les bons conseils au bon moment. Et c'est toujours plaisant de les revoir et de les voir évoluer. Même s'il est arrivé dans des circonstances compliquées, donc notre rôle était encore plus important. Parce que, voilà, quand t'es jeune et que t'arrives et que tout va bien, c'est un peu plus simple. Là, quand il est arrivé, vous savez l'époque que c'était, hein, 2007-2008. Ouais. C'était pas facile. Donc notre rôle est encore plus important quand c'est dur que quand c'est facile. T'aimais bien avoir ce rôle-là de grand frère? À l'époque, j'avais que celui-là de rôle. Je me souviens plein de matchs où je t'ai vu sortir des manchettes. Donc au moins, il fallait servir à quelque chose. Et je le faisais avec plaisir. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi pour après, pour transmettre aussi. Ouais. Mais bien sûr, non, je le prenais avec beaucoup de... c'est un honneur en fait. Voilà, bien sûr. 7 ans au club, Jérôme, de 2001 à 2008. Double vainqueur de la Coupe de France 2004 et 2006. Et puis double vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2008. On me dit dans l'oreillette, Jérôme Alonso, spécialiste des pénaltys au Parc des Princes. Ah, j'ai eu ma période. J'ai eu une bonne semaine, ouais. C'est vrai. Une semaine, j'en ai arrêté 7. Non, mais c'est vraiment plus. 7, c'est énorme. 3 en Coupe de la Ligue et 4 en Coupe de France. Donc, ça arrive une fois dans une vie, je crois. C'est comme un joueur qui fait 2 quadruplés dans la même semaine, tu vois. Mais j'aimais bien. Toujours pris parti du principe que la pression était sur le tireur, pas sur moi, en fait. C'est vrai. J'ai toujours pris ce constat-là. C'est vrai que normalement, un pénalty, ça doit se marquer pour un buteur. Là, en plus, au Parc, où le tireur adverse a beaucoup de pression. Sûr. J'essaie de partir très tard, tu vois, pour laisser le moins d'infos possible. Et ça m'a souri plus souvent qu'à la normale, ouais. C'est un de tes bons souvenirs, ça, ces pénaltys arrêtés? Mon premier classico, quand t'arrêtes 4 pénaltys. PSG Marseille, toute ta vie, t'en as rêvé. Et ton premier, t'arrêtes 4 pénaltys. Un pendant le match, André Louis ici, qui sera mon partenaire quelques mois plus tard, d'ailleurs. Il a signé là, après André Louis. Et puis 3 pendant la séance, là-bas, dans le dernier de Daniel Van Buten, juste avant qu'il parte à Munich. Autant vous dire que l'ambiance était un tout petit peu chaude, quoi. Donc ouais, et c'est évidemment un des meilleurs souvenirs de ma carrière, ouais. Bon, Jérôme Alonso, qui fait partie des 15 légendes invitées cet après-midi et cette journée ici au Parc des Princes pour ce Dream Tournament, comment ça s'est passé, Jérôme? Alors, j'ai pas vu ton nom dans les finalistes, ça veut dire que c'est pas forcément... Alors c'est étonnant, c'est très étonnant, parce qu'on a gagné... Non, pardon, on a perdu nos 5 matchs. Ah oui. Voilà. Mais on a eu des transferts difficiles, un vestiaire qui vivait mal. Le mercato a pas été. Le mercato était pas bon. Directeur sportif viré avant le premier match. Effectivement, beaucoup de rebondissements. Moi sur la sellette, je crois que le groupe a lâché finalement. Toi, t'étais le coach un peu de cette équipe. Ouais, complètement le coach. Mais le groupe a lâché, comme on dit. Ça arrive dans les vestiaires quand les résultats sont pas bons.
Mais après, on s'est éclaté, on a passé une super journée, et je crois que vraiment... C'est très rare que je dise ça, mais là, pour le coup, le résultat, on s'en fout un peu. Quoi. Ouais. Effectivement, je crois que t'es le premier à nous le dire. Non, t'es pas le premier, ouais. Mais c'est vrai que quand t'as perdu 5 fois, il faut relativiser quand même. Non, mais là, on s'en fout en vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas grave. Voilà. Y a pas l'esprit de compétition. Pardon ? Y a pas l'esprit de compétition. Moins. Alors, en plus, j'ai pas joué. Donc, je peux pas vraiment avoir les boules, tu vois. Mais voilà. Et puis, en plus, quand je vois le niveau des finalistes qui ont, franchement, vous allez voir un vrai niveau. Ouais. Il y a des mecs qui jouent en National 2. Ok, d'accord. Il y a un vrai niveau. Donc là, comme on dit, on n'était pas invités. Ça tombe bien que tu parles de la finale. On va tout de suite pouvoir regarder cette belle finale qui oppose l'équipe Joe & Joe de Clément Chantôme de Paolo César, Joe & Joe, à celle de Mövenpick par Christophe Jallet, emmené par Christophe Jallet. Une belle rencontre, hein, Paolo César, Christophe Jallet. Alors, je ne sais pas si les deux vont jouer, mais ça promet un beau match. On vous laisse vivre cette rencontre en direct sur les antennes Twitch et YouTube du Paris Saint-Germain. À tout à l'heure. Par la technique, on allez, arrive à éviter ce challenge. Doublé. Thank you.
On n'oublie pas que la journée se déroule sous le signe du fair play, quel que soit le match, la position. Encore une consultation pour Mauro Adel qui débute bien dans ce match. Thank you.
Ouais, pas loin. C'était Claude et Claude et Ludo. Ouais. Qui Claude Makelele. Ouais, bien sûr. Exact. Absolument. On se retrouve en direct du Parc des Princes pour ce Dream Tournament by All.com. Et on est en bonne compagnie puisque pour nous parler de ce tournoi, nul autre que Mehdi Emissi, Chief Loyalty de All, donc chef directeur du programme de fidélité All. Bonjour Mehdi. Salut. Bon, une belle édition 2023 que vous nous avez concoctée. On a parlé l'année dernière de ce qui s'était passé, le Play with Legends qui s'est déroulé un peu partout autour du globe, qui avait aussi fait pas mal d'émules. Ouais, c'était les chambres sur les noms et tout ça. KipMB, ouais. Ouais. C'était vraiment intéressant ça. Trippy avait assisté à l'édition qui avait lieu à Paris, à Libby Style, avec, on le disait en antenne, Claude Makelele et Ludovic Julie. Et Paoletta. Mehdi, une belle édition 2023. Qu'est-ce qui pousse Hall à organiser des beaux tournois comme ça pour... Tu sais déjà, c'est Hall.com et le PSG, c'est une histoire qui dure depuis 2019. On a lancé cette marque avec le PSG. On a décidé de positionner cette marque comme une marque expérientielle avec 2019, effectivement la naissance du programme. Et bien sûr, après, on est rentré très rapidement dans le Covid et on a été obligé de mettre tout en sommeil, si tu veux. On regardait toujours les joueurs avec beaucoup d'attention, mais ils jouaient en huis clos. Après, quand le tourisme était en berne, effectivement, on continuait à expliquer que All.com et All, le programme de fidélité, allait bientôt naître. Et on attendait avec impatience qu'on puisse réouvrir nos hôtels et communiquer pleinement et faire vivre des expériences à nos membres, des expériences différenciantes. Donc, quand ça s'est passé, ici, on avait plusieurs centaines de places qui étaient ouvertes pour chaque match. Et après, c'est des activités et des expériences uniques qu'on concocte chaque année, différentes, mais hyper participatives. Pour que tout le monde, et c'est des moments de partage où en fait on ouvre des portes à des joueurs, à des moments uniques et systématiquement et chaque année on essaye de se réinventer et c'est vrai qu'on vient juste, on n'est plus sur le maillot comme vous le savez, mais on est sur la manche du ben, bravo. Encore le maillot. C'est encore le maillot sur le kit d'entraînement et on vient juste de re-signer donc pour 4 ans. Donc on vient juste de consommer la première année. On est content de vous avoir encore avec nous. Voilà, mais maintenant c'est un partenariat qu'on souhaite inscrire dans le temps. Et cet événement-là, on le teste. Et s'il marche bien, et visiblement il marche très bien. On voudrait en faire un rendez-vous annuel où nos meilleurs clients, nos meilleurs partenaires puissent se réunir et fêter le football comme il se doit. Et tout à l'heure, on avait des joueurs qui nous parlaient peut-être d'inviter du public à pouvoir assister à ce type d'événement, parce que c'est vrai que des légendes qui étaient présents tout à l'heure à votre place, à ta place, et qui nous disaient que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir du public pour les gens, pour être encouragés. Puis quand on voit le parterre de légendes, 15 légendes aujourd'hui présents pour ce tournoi, c'est un des socles aussi de l'activation entre le Paris Saint-Germain et ce programme de fidélité All.
football.com, c'est de s'appuyer sur les légendes des joueurs ou des joueuses qui ont marqué l'histoire du club. Bien sûr, mais c'est exactement ça. J'en parlais avec Laure Boulot et j'en parlais avec Anne-Laure Bonnet également ce matin. Il y a une expérience qui était superbe qu'on avait organisée pendant le Covid au Mama Shelter. On avait la possibilité de visualiser un match, mais en coulisses. Donc en fait, on était en plein Covid. Au Mama Shelter, il y avait des familles qui étaient réunies. On avait organisé des caméras dans les vestiaires et Anne-Laure Bonnet était sur le coin du stade. C'était PSG Lille. Lille avait gagné d'ailleurs 1-0. Et on avait fait vivre cette expérience-là en coulisses, malgré le Covid. Et là, on s'était dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et dans chaque hôtel, il y avait des légendes. Donc, il y avait Bernard Mendy, il y avait Jérôme Alonso, etc., qui chambraient mutuellement sur leur palmarès. C'était super sympa. Et on s'est dit, là, les légendes, ben, en fait, on voit qu'ils adorent ça. Ils adorent être associés à des événements. Et maintenant, on les consulte, on leur demande voilà, comment est-ce qu'ils peuvent s'inscrire. Et on voit que systématiquement, ils sont les premiers partants pour faire les fous, parce qu'ils aiment bien s'amuser encore. Tu peux demander à Trippi, je pense que l'année prochaine, il aimerait bien recevoir une invitation pour jouer le tournoi. Pourquoi pas les légendes du club. Je ne presse pas, mais pourquoi pas. C'est vrai. Bah, écoute, amène une légende. Bon, en tout cas, une superbe initiative. Tu as un peu donné la réponse à notre question, mais je pense que tu le savais. Hall.com permet à un gagnant et la personne de son choix de partir en week-end dans l'hôtel du groupe Accor de son choix, partout dans le monde. Et la question était, depuis quand le partenariat entre Hall et le Paris Saint-Germain a-t-il débuté? Donc tu l'as dit, c'est très bien. Tu peux le redire, ça fera d'autant plus de chances pour les autres de répondre et de tenter de gagner cette belle récompense que Hall nous a gentiment offert. Tu me rassures, je n'ai pas spoilé. Alors je devais donner la réponse, ouais, et je l'ai donné sans le savoir. Très bien. 2019, c'était le début du partenariat. Parfait. Donc si vous n'avez pas entendu, on le redit haut et fort. Donc depuis 2019, Hall.com et le Paris Saint-Germain sont associé au partenaire premium du Paris Saint-Germain. Et donc cette belle histoire a débuté depuis 2019. Mehdi, les finales sont presque terminées. C'est serré, hein, c'est serré. C'est des scores d'égalité. Ouais. Il y a même des légendes qui jouent, hein, parce que je pense qu'il y a, Jallet là-bas, Christophe Jallet. Chantôme, je crois. Chantôme également. Merci, c'est leur boulot. Là, c'est du sérieux, hein, c'est du lourd. En tout cas, merci d'avoir organisé ce bel événement. Et nous, on était très heureux de pouvoir vous accueillir ici, toutes les équipes de Hall. On remercie d'ailleurs toutes les équipes de Hall qui ont participé dans les coulisses à l'organisation de cet événement. Et puis, pour vous, un bon programme vous attend, puisque normalement, il y aura un petit cocktail mixologie organisé par M Gallery en après-match. Et puis ensuite un concert à partir de 19h30, mais suivant le programme ça a pu prendre un peu de retard, avec By Ibis Music, c'est Quentin Mosimane qui sera ici au Parc des Princes pour ravir tous les invités de ce Dream Tournament. Merci beaucoup Mehdi. Merci pour votre couverture. Dans quelques instants, vous le voyez, les finales ne sont pas terminées. Il reste encore, je crois, une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. Je crois qu'il y a eu. Tu veux regarder le match là. Ouais, je crois qu'il y a eu quelques égalités. On va en profiter pour accueillir Vin Sky sur notre plateau, qui a gentiment attendu de pouvoir venir parler à notre micro. Déjà, on peut féliciter. Alors, je demande le prénom. Je crois que tu es le caméraman de Vin Sky. Ouais, c'est ça, Raphaël. Raphaël, Vin Sky, déjà félicitations. Parce que je crois que vous êtes... Vince Kay, toi, tu es président de ton club, mais un club qui monte cette année en Détroit, depuis la D4, ton club du Vince Kay FC. J'ai proposé mes services. C'est vrai? Ouais. Et alors? T'envoies VHS? J'en vois pas VHS, mais il faut qu'on rentre en discussion encore. Là. Ouais, c'est de voir si on peut amener Trippi au club, mais bon, il est dur en affaires, donc c'est pas évident. Ouais, il faut pas le payer que en live sur g.fr. Au bout d'un moment, il va pas vouloir. Bon, on l'a dit, le Vin Sky FC, basé à Magny-en-Ville dans le 78, monté en Détroit depuis la D4 cette année, une belle opération. Puis tu me le disais tout à l'heure, vous avez passé le deuxième tour de la Coupe de France avec une belle victoire 7-5 contre Garches-Vaucresson. C'était hier, tout frais encore. Ouais. Ouais, c'était un score de tennis quoi. 7-5, beaucoup de buts encaissés, mais on a mis beaucoup, donc rien s'est passé. C'est dans le scénario, vous avez toujours mené? Non, on perdait 2-0 au bout de quelques minutes de jeu, donc c'était assez horrible au début. Mais après, il vaut mieux parce qu'au moins, tu as le temps de réagir, tu avais tout le match pour réagir et on sait qu'on était normalement sur papier au-dessus, donc après, on a travaillé et ça a payé.
Raphaël, hein, c'est ça, c'est ça. Raphaël, toi, t'es caméraman de Vinsky. On fait semblant qu'il écoute pas. C'est comment de travailler avec Vinsky aujourd'hui? C'est cool, c'est cool. Les projets sont très très cool et le projet du club est vraiment intéressant. C'est un projet social. On a créé une académie. Il y a un vrai projet avec les seniors aussi. On essaie de recruter des joueurs qui sont d'une fort au foot et aussi qui ont un vrai état d'esprit. Et on est sur une comment dire? Tu veux dire que c'est un projet qui demande. Enfin, en fait, l'idée c'est pas juste de faire une dream team, etc. Il y a un vrai travail pour créer un collectif et un bloc. Et c'est ce qu'on a réussi à faire cette année, donc on est trop content. Parce qu'au final, on pourrait amener des joueurs encore plus forts, mais des fois on sent que ça va pas aller dans le projet et que ça va peut-être forcément faire en pâtir le niveau de l'équipe, quand on veut le niveau collectif. Donc Vinsky, plus joueur, mais Vinsky président toujours, ouais. du club. C'est dur de suivre à distance ces matchs, toi tu les commandes sur Twitch en plus, donc ça veut dire que bon, forcément il y a un parti pris. J'imagine que tu te dois pas d'être neutre comme pourraient l'être des journalistes sur des chaînes françaises. Oui, c'est comme les commentaires sur PSG, PSG TV, ouais, forcément. C'est dans son contrat, il a pour pareil. Fais attention. Mais non, ouais, en fait, j'aime beaucoup jouer au foot, mais j'aime aussi beaucoup gérer et manager. Donc au final, je prends autant de plaisir à commenter, à gérer l'équipe, à gérer le staff et les gens qui travaillent dans le club. Donc au final, c'est trop cool. Et là, il y a des journées comme ça pour que je peux jouer et c'est détente. C'est vrai qu'avec l'équipe, on cherche la perf et il y a des joueurs très forts qui sont en poste. Donc je pense que si je voulais récupérer ma place, vraiment que je travaille beaucoup. Et ça s'est passé comment aujourd'hui pour ton équipe? Du coup, on a fini 4e sur 16, donc c'est pas mal. D'ailleurs, Raph, c'était notre gardien. Il est gardien aussi, en plus d'être caméraman, monteur, etc. Donc, ah oui, j'ai vu les gants tout à l'heure, ils sont là-bas, je les vois posés. Un beau parcours quand même. Ouais, franchement, ça va, parce que j'avoue, au tout début, on savait pas trop si on allait pouvoir aller loin. Bon, après, ça reste toujours du fun, mais j'ai appris par expérience que le côté amical dans le foot, il existe. Mais tu connais, quand tu joues un match de foot, il y a un tournoi, tu vas absolument aller le plus loin. Moi, je débute jamais un match pour me dire je vais faire plaisir à l'adversaire. C'est ça, perdre, c'est jamais cool. Donc au final, on a quand même été 4e, donc c'est très bien. Bon, une belle opération. Vous êtes là depuis, on répète, hein, depuis ce matin. Vous êtes tous arrivés aux côtés de légendes du club pour suivre ce beau tournoi organisé par all.com. Cette 4e place pour vous, Vince, et pour ton équipe. Le projet de ton club, c'est la consolidation en Détroit l'année prochaine? Ouais, parce que l'année prochaine, du coup, on monte en Détroit. Donc oui, alors déjà, le niveau va être forcément plus élevé. On va pas changer grand-chose dans notre équipe A, parce qu'au final, l'équipe, elle est très soudée. Et on va juste avoir 2-3 joueurs qui vont venir consolider. Et aussi, on crée une équipe B. On n'a pas le choix, parce que c'est la Fédération française de football qui oblige au bout d'un moment, quand tu montes, à créer une équipe B. Donc on aura 2 équipes seniors l'année prochaine, donc beaucoup de travail. Mais l'équipe A, pas grand-chose va changer, si ce n'est des petits renforcements. Parfait, bon écoutez, Raphaël, Vinsky, je vous remercie, bravo pour votre prestation, parce que finir 4e sur 8 équipes, c'est déjà finir à mi-tableau, c'est déjà bien, c'est mieux que ce que j'aurais pu faire, je pense, moins bien que ce qu'aurait voulu faire Trippi. Non, moi j'attends la proposition de Vinsky. On l'a compris. Ah ouais, la proposition, du coup je travaille, parce que là, la balle est dans ton camp. Donc je travaille en coulisses pour que ça se fasse, mais on est la date limite, on travaillera jusqu'à minuit. Je sens que Raphaël va devoir s'inscrire à Pôle emploi s'il faut recruter Trippi Macron. On va payer deux jours. Moi, c'est que du plaisir. Moi. Y a pas de... Ah, bah ça va alors. Ouais, ouais. Ça va, voilà, c'est bon, du coup, c'est validé en direct. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de tournoi. Il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Un petit cocktail party organisé par M Gallery. Et puis, le concert Ibi Style de Quentin Mosimane à la fin de cette belle journée. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Merci, merci beaucoup. Et... bonne journée. Merci. On peut vous proposer de continuer à suivre ces finales qui ne sont toujours pas terminées. Je crois qu'on est dans les prolongations. On va vous proposer de rebasculer côté match et de suivre donc ces deux derniers matchs, ces deux finales qui opposent, on vous le rappelle, Mövenpick, qui est l'équipe de Jalais, à l'équipe Joenjo de Paolo César. Et puis en face, il y aura l'équipe de Daniel Narcisse opposée, donc l'équipe bleue de Daniel Narcisse opposée en rouge à celle de leur boulot. Voilà, on se retrouve juste après ces matchs-là. À tout à l'heure.
bien pour nous. Champion. Allez. Merci, bravo. Champion. Bravo, bravo. Vas-y. Bravo. Bien joué. Allez, champion. Champion. Allez, on fait un rond là. Allez. On va tous merci l'équipe. Allez, ils ont pas nuit comme ça. Excuse-moi parce que là c'est quand même il y a la compétition qui a pris dessus. Ok, mais c'est très content de l'état d'esprit. C'est très content de venir là pour partager ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un très bon travail. On était ensemble du début à la fin. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Maintenant, on a tous chez le kiné. Et on paye en carte hall, ça fait des points. On est de retour, voilà les finales qui viennent de s'achever ici au Parc des Princes pour ce tournoi, ce Dream Tournament organisé par Hall. Les scores, on ne les a pas tous. Victoire de l'équipe de l'or. Voilà, on peut déjà vous dire que Laure Bouleau a gagné dans sa finale des influenceurs, alors que dans les finales qui opposaient les membres du programme Hall.com, eh bien c'est l'équipe de Paolo César qui s'est imposée. L'expérience de Paolo César face à l'expérience, mais un peu moins grande, de Christophe Jallet. Christophe Jallet, ouais. Bah. Voilà, deux beaux matchs que vous avez pu suivre, pas en intégralité, on est désolé, mais que vous avez presque pu suivre dans leur totalité sur les antennes de ce live Twitch et sur YouTube. Pendant ce temps-là, on accueille deux très grands joueurs du Paris Saint-Germain, deux autres légendes, il y en a beaucoup qui se sont succédés. On est content de vous avoir aussi. Bernard Mendy et Laurent Robert, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bon Trippi, j'imagine que pour toi c'est du connu. Ah non, c'est du connu Bernard, je connais, c'est un grand frère. C'est un joueur qui m'a suivi durant ma carrière, il a toujours voulu jouer avec moi. Donc, j'aime ça. Non, après Laurent Robert, c'est la patte gauche, c'est aussi un exemple de travail où j'ai essayé de faire comme lui, mais j'ai pas la même puissance. J'ai pas réussi à avoir la même puissance, mais. On a essayé de se rapprocher au moins. Il va nous donner la technique pour travailler la puissance sur les coups francs, Laurent Robert. Laurent, au club de 99 à 2001, vainqueur de la Coupe Intertoto en 2001. Qu'est-ce qui te reste un peu comme beau souvenir dans ton esprit de ces années que tu as passées au club ? En tout cas, il ne lui reste pas la Coupe, c'est moi qui l'ai. C'est un chatard, lui. Mais bon, c'est vrai, je n'ai pas gagné grand-chose avec le PSG à part cette Coupe Intertoto. Mais on a quand même joué une finale de Coupe de la Ligue et on a fini deuxième du championnat, c'est pas rien. Et de pouvoir jouer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ça a été extraordinaire pour moi. Et puis voilà, c'est les joueurs qui ont partagé ces moments-là avec moi, un très grand plaisir. Le Parc des Princes, les supporters, j'oublierai jamais. Et puis voilà, c'était... une très bonne et belle chose pour moi parce que j'ai connu l'équipe de France avec le Paris Saint-Germain, donc c'était que du bonheur quoi.
Bernard Mendy, on avait tout à l'heure Guillaume Moirot et Daniel Narcisse. Bon, Daniel, c'est dans un autre sport qui s'est illustré, mais voilà, ça met aussi à l'honneur les belles relations qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et l'île de la Réunion, ces beaux liens qu'il y a entre la métropole et la capitale, et puis l'île de la Réunion qui est un vivier de beaucoup de talents dont on a profité par le passé et dont j'espère on continuera de profiter au Paris Saint-Germain. Bernard, toi, au club de 2000 à 2008, bon, on ne te présente plus, hein, je vais quand même parler de ton palmarès. 2004 et 2006, vainqueur de la Coupe de France. 2008, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Aussi vainqueur de la Coupe Intertoto en 2001. Toi, quel souvenir aussi tu gardes de ton côté de tes années parisiennes? Des très bons souvenirs. Sans parler, pardon, de ton poste d'adjoint aussi au sein de l'équipe féminine. T'as fait beaucoup de choses. Oui, non, des très bons souvenirs, comme disait Lolo. En plus, j'ai eu la chance, moi, de jouer avec Lolo sur... Bon, je ne jouais pas à droite, je jouais plus à gauche parce qu'il y avait un blessé pendant cette période-là. Donc, du coup, Lolo était devant moi. Donc, c'était facile. Hein, quand tu lui donnais le ballon, tu pouvais dédoubler. Il était pas, il pouvait te donner les ballons. Mais par contre, quand il a décidé de ne pas te les donner, c'était un peu compliqué. Après, je le connais très bien. On a passé les diplômes ensemble en plus. Ouais. Et les diplômes d'entraîneur, donc on a souvent cette connexion, même si on est très loin. Le portable, on s'envoie souvent les journaux, on a un groupe WhatsApp ouais. qui fonctionne très bien. C'est bien ça. Et Trippi, c'est le petit frère, il m'a suivi partout. Non, c'est là. il m'a suivi partout. C'est l'inverse. Donc Trippi, un bon collègue aussi et surtout un petit frère, quoi. Alors, vous n'avez malheureusement pas gagné un des 11 titres de champion de France pendant votre passage au Paris Saint-Germain. A terminé deuxième, ouais. Ouais, mais j'imagine qu'il y a quand même de la fierté pour vous de voir le club cette année, même si voilà, on va pas revenir sur les conditions dans lesquelles ce 11e titre, on s'est octroyé ce 11e titre, mais on imagine qu'il y a quand même de la fierté pour vous qui êtes passé à un moment donné par le club de voir le Paris Saint-Germain pouvoir glaner un 11e titre et de détenir ce record de championnat de France. Ah, 11e titre, pardon, c'est historique et on se doit de respecter ce club-là, pour nous, tout ce qu'on a fait pour ce club-là et ce qu'ils font maintenant à présent. Après, il y a toujours on veut toujours gagner cette Ligue des Champions, un jour ou l'autre, on l'aura, mais un 11e titre, c'est compliqué, hein. c'est pas donné à tout le monde. Hein. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'on voudrait entendre encore mieux les histoires de Bernard Mendy, donc il faudrait que tu rapproches un tout petit peu plus ton micro. Mes histoires, il n'y a pas d'histoire. Non, mais c'est pas évident de gagner un 11e titre. Les gens sont beaucoup, parfois malhonnêtes, en disant « Ah oui, Paris ». Malheureusement, en Ligue des Champions, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, d'apprendre de ses erreurs chaque année et de pouvoir progresser, c'est important. Bon, vous étiez là aussi pour disputer aux côtés de 13 autres légendes ce tournoi Hall Dream Tournament. Comment est-ce que ça s'est passé? Oula, Bernard, je te vois en t-shirt, donc j'imagine que t'as pas joué. Bah écoute, si, j'ai joué, tu vois, tu dis des bêtises. J'ai joué, je pense que j'étais un très très bon élément de mon équipe. J'étais entraîneur-joueur, un peu comme Marco Materazzi à l'époque. Le collègue à côté, il était dans les buts, il a arrêté pas mal de nos buts. Ah, oui. Eux, ils sont partis très loin. Moi, malheureusement, mon équipe, il y a eu des blessés, aïe. Même beaucoup de blessés, aïe. Et un blessé très grave, quand même, un tendon d'Achille qui est parti à l'hôpital. Donc, c'était un peu compliqué pour lui et j'espère, je lui souhaite un bon rétablissement. Mais la journée, sinon, au-delà de ces blessures-là, dans un endroit comme le parc, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu et foulé la pelouse. C'est toujours un plaisir et voir surtout les collègues jouer et se chambrer, c'est encore mieux. Il est meilleur milieu de terrain ou meilleur gardien? Non, je lui ai dit qu'il aurait fait meilleure carrière dans les buts que joueur. Oh là là, t'as tout à fait raison. Je me suis surpris. C'est vrai? Voilà. Il a pris très bon. T'as pris du plaisir dans les buts du coup? J'ai pris beaucoup de plaisir et j'avais aussi une équipe très sympathique avec des petits jeunes, des joueurs, des personnes un peu plus confirmées. Il courait partout.
Et non, ça a été un très bon moment. Chez nous, pas de blessure, voilà. Meilleure préparation. Donc, ton échauffement a été très médiocre, mon Bernard. Non, non, non. Mais en fait, c'est même pas ça. C'est même pas question de médiocrité en termes d'échauffement. C'est surtout que moi, les personnes que j'avais, malheureusement, elles ne faisaient pas beaucoup de sport. Ouais. Le premier, il me dit, ça fait 15 ans que j'ai pas fait de sport. L'autre, il me dit, j'ai accouché, ma femme elle a accouché. Elle a accouché il y a 2 jours, donc du coup j'ai pas très bien dormi. Au final, lui il se blesse à l'adducteur. Ah ok, d'accord. Ouais. Et juste à, en fait, en arrivant, on s'est changé, on a tout de suite joué, donc c'était un peu compliqué. Après, on a enchaîné un deuxième match, on a eu du repos et on a enchaîné le troisième match. Et du coup, je leur dis, échauffez-vous. Ça se refroidit, ouais. Et celui qui se blesse gravement, il s'est pas échauffé. Ouais. Forcément. Donc ils ont dû t'écouter. Je ne sais pas s'ils auraient dû m'écouter, mais c'est vrai que c'est dommage pour lui. Et bah, il était dépité. Donc, C'était une journée de fête. Et voilà, ouais. Ce qu'on a essayé de leur apporter et de leur donner du plaisir. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir avec mon équipe. On a terminé troisième du tournoi. Et voilà, c'était un très bon moment. Comme il a dit Bernard, de revoir les copains, les légendes, les journalistes aussi. Ça faisait très longtemps, j'ai pas refoulé. Il manque plus que Tripi cette pelouse. Moi je suis à ma place. C'était super sympa. En tous les cas, bravo à toute l'équipe et encore merci. L'organisation était top. Ouais, merci. On passera le message. On l'a repassé tout à l'heure, mais on repassera le message aux équipes de Hall qui ont fait un très bon travail, puis les équipes sponsoring du Paris Saint-Germain aussi qui ont participé à la réalisation de ce bel événement. Programme pour vous pour terminer cette journée. Je crois qu'il y a un petit cocktail qui vous attend. Après l'effort, le réconfort. Un petit cocktail offert par M Gallery et puis après un peu de concert. Je sais que vous êtes amateur de musique, ou en tout cas j'imagine. Donc ce sera Quentin Moziman qui sera là, concert by Ibis Music qui vous attend juste après cet apéritif et ce cocktail qui vous sera offert. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus. Merci. Merci beaucoup. De discuter avec vous et d'être à côté des vraies légendes. C'est lui la légende. C'est mon beau bébé, ça. Beau bébé, mon petit gauche, à moi, le mon côté petit. Gauche. Après, il y a Trippi qui est arrivé, mais Trippi, c'était compliqué, il ne faisait pas de place. Pas de passe. Mon Bernard, mon bébé. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous le rappelle, sur ces deux finales qui se sont disputées, la victoire de l'équipe emmenée par Paolo César, Joe & Joe, équipe de Paolo César qui a gagné face à Mövenpick, emmenée par Christophe Jallet. Moins de réussite pour Christophe Jallet sur ce coup-là, sur l'équipe des membres Hall. Et puis Trippi, victoire de l'équipe de leur boulot. On va bien voir son ressenti, son témoignage. On va commencer à jouer, elle est dedans. On va partir à la recherche des gagnants de ces équipes pour les avoir en plateau, avoir un peu leur... Victoire de leur boulot, ouais. Ouais, c'est ça. On va avoir un peu leur réaction après cette rencontre. Et puis après, il sera temps aussi de vous laisser. En attendant, le temps de mettre ça en place, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les 11 titres de deux champions de France qui ont été gagnés. Le 11e a été gagné. Merci beaucoup. Merci Bernard, merci Laurent encore. Merci Laurent, merci. Merci Bernard. On revient ensemble avec Trippi sur ce 11e titre glané au Parc des Princes. Retour sur les 11 titres, donc, au Parc, avec cette petite vidéo. Et puis nous, on se retrouve juste après.
On se retrouve au Parc des Princes et on va clôturer ce bel événement avec Trippi. Trippi, on le rappelle, victoire de l'équipe de Paolo César Joenjo et de l'équipe de Loire Boulot. Une belle journée pour eux et un bel événement organisé par Hall.com aujourd'hui. Oui, bien sûr, une belle journée pour tous ceux qui ont participé à ce tournoi, tous ceux qui l'ont aussi organisé. Il a fait beau, il y a eu du beau temps. On est dans un stade mythique qui est le Parc des Princes. La pelouse était bonne, ils vont bientôt la changer, mais voilà, c'est vraiment, on va dire, cette synergie qu'il y a eu aujourd'hui entre les partenaires Hall et le Paris Saint-Germain qui a permis d'avoir un si bel événement. Bon, merci bien sûr les équipes de Hall.com, les équipes d'Accor, les équipes sponsoring du Paris Saint-Germain pour avoir organisé ce bel événement, les légendes qui ont joué le jeu, les journalistes, les influenceurs et puis les membres du programme de fidélité. Merci aussi à toi Trippi pour, merci à toi, Joachim, c'est toi. Pour cette belle après-midi. Ah, moi je t'ai suivi, hein, moi je suis. On a vu du beau monde. Hein. On a vu du beau monde et franchement c'était très gratifiant. Bon, merci à tous, on espère que vous avez apprécié ce Dream Tournament en direct du Parc des Princes by Hall.com et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain événement sur les antennes du Paris Saint-Germain. À bientôt.